Et hop là, on va finir d'installer le micro bien comme il faut. Et on va démarrer. Hop là. Ça va pas trop frotter. Hop hop hop. Je ne sais même plus quel truc c'est. Merde. Si je ne mets pas la caméra, ça va pas bien fonctionner. Hop là. Hop Et voilà, c'est parti Alors, normalement, on devrait être en direct. Alors, je vais juste faire quelques petits réglages euh, au niveau du débit de manière à essayer d'avoir quelque chose d'assez propre quand même. Euh, hop, je vais baisser un petit peu. On va voir ça. Je prends juste deux petites secondes pour faire les petits réglages. Vérifier que le son fonctionne. C'est l'air de bouger. Et si je mets le truc en route, oui, j'ai le son qui a l'air bon. Hop euh... On va éviter de faire bouger le truc. Je vais faire un petit duplicata. Est-ce que je peux copier, copier ou pas Copier, filtre, copier. Dupliquer, hop. Alors, je vais juste prendre deux petites secondes en même temps pour changer l'image. Alors, désolé pour ceux qui regarderont ça en replay. Donc, euh, il y aura un petit... Euh, un petit temps où je finis de reparamétrer des trucs parce que je pensais le faire voilà à 15 heures j'ai pris un peu de retard. Euh, hop, donc on va mettre transparent, logo, hop. Et voilà, et voilà. Comme ça, ça, je peux le virer. Voilà, juste ce petit truc. Le remettre là et c'est bon. Alors, euh, le Lightroom par contre, je vais le mettre sur une autre fenêtre. Hop. Allez, par contre, j'aurais dû réfléchir un petit peu. Je vais faire du petit partage. Voilà, comme ça j'ai mon petit aperçu, j'ai tout comme il faut. Là, je vous montre vite fait. Donc là c'est bon. On a les photos Lightroom. Le petit X Hop, comme ça je vais virer. Alors, bon ben salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, il y a déjà quelques personnes présentes actuellement sur le chat. Euh, pour les autres, vous verrez la vidéo en replay. Donc aujourd'hui en fait, euh, salut à toi Eric. Alors aujourd'hui on va faire l'analyse justement euh, des photos que j'ai prises euh, parce que là je suis parti euh, mardi et mercredi, je suis parti aux hauts de Beauval. Et j'en ai profité pour faire quelques photos, quoi. Comme bon, c'est un parc animaliste, c'est un peu euh, aussi l'objectif. Euh, alors... J'ai pas eu énormément de bol. Je vais éviter de parler trop fort parce que je vois le micro qui monte très très vite. Alors, j'ai pas eu vraiment euh, de bol parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, déjà, vers, je crois qu'il va être 15, 16 heures à peu près, il s'est mis euh, à pleuvoir un petit peu. Alors, ça a duré qu'un quart d'heure, ça allait. Mais du coup, voilà, ça a un peu, casser le truc, quoi. Sinon, c'est après le, après les, après les oiseaux. C'était, ouais, je crois que ça va être vers, ouais, 15h30, 16h. Il s'est mis, à, il mis un petit peu à pleuvoir pendant un quart d'heure. Donc, du coup, obligé de se, euh, de se camoufler, euh, enfin, de se mettre dans un endroit à l'abri. Le problème qui s'est passé, c'est que du coup, bah, ben, voilà, perdu du temps. Et après, bon, voilà, c'est, on n'est plus trop dans le même délire parce qu'après, quand c'est trempé un peu partout, euh, bon, ça, que ça glisse pas trop, mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà. Et le deuxième jour, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est carrément le gros orage de dingue. Il devait être à peu près 13h... Heures... Euh, ouais, c'est ça, je veux dire, 13h et quelques, c'est ça. Euh, J'avais mangé, j'étais je... euh, parti pour... Euh, comment ça s'appelle Les... Euh euh comme il s'appelle le gros la l'eau, là qu'ils ont mis enfin bref et euh, donc du coup en fait j'ai parti pour aller voir un animal et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, il s'est mis à pleuvoir mais vraiment quelque chose de très très fort les l'orage les éclairs et tout quoi du coup ben, je me suis dit bon ben qu'est-ce que je fais euh, je vais je voulais retourner justement euh, au spectacle des oiseaux que finalement ben j'aurais pas fait euh, voilà enfin si je, je l'aurais fait la, le jour précédent mais là je voulais me repositionner parce qu'en fait le premier jour j'étais mal positionné je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure en regardant les images et donc du coup voilà je euh, je me suis dit ben le hier ben finalement ben partir plus tôt parce que pas trop le choix Il a que de la pluie de la pluie moins plus j'étais euh, un peu comme là c'est-à-dire t-shirt et short donc euh, voilà j'étais pas trop équipé pour la pluie je pensais vraiment pas qu'il allait pleuvoir Sachant que surtout dans le sud, par chez moi, il faisait 30 degrés, que là-bas c'était pas le cas. Enfin bref. Donc voilà. Euh, alors vite fait pour ceux qui viennent d'arriver, euh, salut tout le monde. Alors pour ceux que ça intéresse, euh, je mets en dessous de la description de la vidéo. Vous avez sept cours photos pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Euh, je mets aussi à disposition les sept étapes du cadrage. Voilà, si vous souhaitez réussir euh, toutes vos photos, il y a une étape logique et ça sans avoir d'appareil photo. C'est vraiment toute la démarche avant de prendre votre photo. Euh, juste au, jusqu'au moment euh, juste avant le déclenchement justement qui va vous permettre de, de vous aider donc j'ai euh, ai fait euh, une conférence là-dessus sur les sept étapes donc je vous invite à aller voir euh, en même temps je vous ai mis aussi un petit lien pour aller télécharger mon fichier Excel euh, pour ceux qui font de la photographie de paysage euh, c'est un petit fichier Excel qui va vous permettre de calculer euh, l'hyperfocal. Donc l'hyperfocale, c'est la distance à laquelle euh, un sujet sera net lorsque l'on fait la mise au point sur l'infini. Donc il y a une certaine distance de l'infini jusqu'à euh, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Ça dépend justement de votre objectif. Euh, enfin précisément, ça va dépendre de votre longueur focale ainsi que de l'ouverture de votre diaphragme. Et en fait, vous avez la possibilité, selon si vous êtes en APS-C ou en plein format, vous avez la possibilité justement de rentrer pour faire une simulation, par exemple de rentrer par exemple si vous êtes à 50 mm ou vous fermez à F11 euh, faisant la mise au point sur l'infini jusqu'où l'image sera nette etc donc voilà bon maintenant on va basculer directement euh, sur mon petit Lightroom euh, hop, il est où image scène voilà alors alors, alors, alors ce qu'on va faire je sais pas si ça a bien bien fonctionné on va passer carrément le Lightroom en plein écran hop euh, voilà alors sur les deux jours, le premier j'ai fait 500... Alors je l'ai mis sur Facebook d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite vraiment à venir sur Facebook, euh, car je publie assez régulièrement des petits messages. Euh, là justement, pendant que j'étais euh, au parc, j'ai fait des petits lives, euh, donc je me suis amusé à filmer certains animaux justement, et, euh, voilà, et à balancer ça en direct. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder justement mes, mes petites vidéos que j'ai faites. Euh, je sais pas si le débit était bon. En principe, je pense que oui. Enfin moi, en tout cas, euh, ce qui se passe c'est qu'au niveau de Boval, vous avez une antenne 4G qui est pile juste au-dessus du, du, du zoo, quoi. Donc voilà. Je trouvais ça assez rigolo d'avoir le truc vraiment pile à cet endroit-là, mais bon. Donc voilà. Alors le premier jour, j'ai fait environ 500 photos, mais en fait sur les 500 photos, je crois que j'ai dû en faire au moins 300. Rien que euh, pour les oiseaux justement. Euh, là justement, l'objectif était euh, de, de mettre un maximum. Oula, ça me un petit temps de chargement. Euh, D'essayer de faire un maximum justement euh, de photos au niveau des oiseaux. Euh, donc il y avait des aigles, euh, il y avait énormément de tout. C'était assez assez sympa. Alors je... c'est un parc que, que j'avais déjà visité plusieurs fois. J'y vais assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement. J'y vais voilà tous les deux ans dès qu'il y a des petites nouveautés. Je vais y faire un petit tour histoire de quoi. Um, surtout pour perfectionner, surtout au niveau des photos d'oiseaux de, um, là, en plein vol, c'est vraiment le, la grosse difficulté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis arrivé un petit peu tard, euh, juste avant le spectacle, et ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé. Euh, alors, je sais pas si je peux trouver un petit schéma sur internet. Euh, plan. Euh, spectacle d'oiseaux. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai trouvé un plan justement de la scène tel que c'est fait. Euh, et en fait, j'étais vraiment dans le coin tout à droite, euh, quand on est dans les tribunes, et en fait, j'étais vraiment à côté euh, des, des perchoirs. Et en fait, j'étais même trop proche parce que du coup, en fait, j'utilisais un, un gros téléobjectif, j'étais avec mon 15600. Euh, alors, on va voir, je vais vous mettre une petite page web. Alors, voilà, donc ça, c'est ce que l'on voit en principe. Donc, euh, tout en haut ici, c'est euh, de là où partent certains oiseaux. Après il y en a qui y arrivent d'ici, il y en a sur le côté aussi justement. Et là, il y a, un, il y a une petite mare et tout. C'est quand même hyper sympa. Euh, alors j'aimerais bien si j'arrive à trouver euh, une petite photo de la tribune. Euh, alors, hop, ce que je vais trouver en faisant ça? Voilà. Euh, voilà, c'est bête. Alors moi au niveau de la tribune, alors on ne va pas voir grand chose. Je ne sais pas si on peut la voir en plein écran. Alors. Ici, voilà, ici justement, c'est là où il y a euh, ceux qui réceptionnent les oiseaux, plus il y a quelques petites cages là. Et en fait j'étais vraiment collé dans le coin. Donc ce qui fait que tous les oiseaux qui arrivaient par là, je ne les voyais pas du tout. J'avais que la vision des oiseaux qui arrivaient dans ce sens là. Donc c'était très très limité pour moi. Euh, techniquement c'était assez difficile. Euh, ouais, on n'a pas d'autres images. Euh, J'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment voir la tribune pour se, vraiment se rendre compte. Prendre compte, pardon. Voilà, ben moi, en fait, c'est exactement ça. Cette photo, j'étais positionné, genre ici, à la place de la personne qui est là. C'était exactement ça. Donc, ce qui fait que j'avais une partie de la scène qui était cachée. Euh, je voyais quand même une partie, mais je voyais, euh, je voyais vraiment pas tout, quoi. Et euh, en fait, j'étais au 15600 de chez Tamron. Et donc, du coup, en fait, je devais me pencher en arrière, justement, pour pouvoir prendre tous les oiseaux, les aigles, etc., qui venaient se positionner juste ici, quoi. Bon. Donc, c'était un petit peu difficile. J'ai fait avec. Voilà. Mais bon, euh, c'est vrai que par contre, techniquement, j'ai été assez, euh, cette année, j'ai été assez mauvais, même très mauvais, on va dire, euh, sur, sur la photographie euh, des oiseaux, des aigles, etc. Mais bon, ça, on verra ça un petit peu plus tard, c'est à peu près au milieu, quoi. Donc, principalement, pour ces photos-là, j'en avais fait à peu près plus de 300, euh, rien qu'à ce moment-là, quoi. En fait. C'est pour ça que j'ai fait 500, mais j'avais fait fait plus de 300, je ne sais pas combien exactement, parce que j'ai fait une première vague de tri, vite fait, vraiment très rapide. Et là, du coup, il me reste quasiment presque plus de photos, quoi. Donc voilà. Alors quand on arrive au parc, les premières choses, euh, la première chose que l'on a, on a d'un côté euh, une partie, les lémuriens. On en a quelques-uns. Et ensuite, euh, on a les flamants roses. Alors là, la photo, j'avais recadré vite. Hop, je suis encore. Hop là, reviens par là toi. Hop, euh, voilà. Alors, pour le flamant rose, on va... Remettre le cadrage complet. Alors c'est vrai que les flammes en rose, je suis jamais doué pour arriver à faire de belles photos. Euh, en général, souvent ça finit tout un petit peu à la poubelle. Euh, pour arriver à les isoler, c'est toujours difficile. Même si euh, là, je suis au téléobjectif. Voilà, bon, j'étais à 329 mm. Donc c'est pas une longueur focale de fou, sachant que je pouvais aller jusqu'à 600. Mais voilà, le problème qui se passe après, c'est que je... je voulais arriver à avoir quelque chose d'assez sympa autour. Euh, là, le problème, c'est que je les avais toutes euh, en haut. Là, c'est la seule que j'ai réussi à avoir un peu isolée. Donc, en termes de cadrage, voilà, j'ai pas trop trop le choix. Je suis obligé de descendre vachement bas, euh, faire euh, un genre de panoramique vulgairement quoi. Je suis plus obligé de faire ce genre de choses justement pour arriver vraiment à l'isoler quoi. Je voulais pas l'isoler sous la forme d'un portrait. C'est faire vraiment quelque chose de vertical, vraiment ultra serré comme ça, parce qu'à la distance à laquelle j'étais c'était pas évident automatiquement j'aurais dû tourner l'objectif et j'avais rien vraiment sur quoi m'appuyer j'ai pas pris de trépied justement et du coup c'était pas évident quoi et on voit que de toute façon cette photo euh, là si on zoome je sais pas ce que ça va donner sur euh, sur YouTube mais euh, voilà ici ça peut aller mais là par contre je suis pas hyper net quoi c'est là c'est un peu light euh, d'ailleurs en temps de pause voilà là j'étais à ISO 400 euh, j'étais à 329 euh, mm et j'étais un 4 centième de seconde alors, ce qui s'est passé techniquement, au point de vue des ISO, on va en parler vite fait. Euh, au point de vue des ISO, j'étais à peu près euh, au plus bas, je crois. On va le voir dans, dans toutes les photos, mais je crois que 400 ISO, c'était vraiment le plus bas. Euh, J'ai jamais pu tomber en dessous euh, parce que j'avais automatiquement peu de lumière. Soit on était dans un endroit où il y avait des arbres qui passaient au dessus, euh, ou un moment il y avait, euh, c'était tout nuageux. Donc automatiquement, quand c'est tout nuageux, c'est minimum ISO 400. Pour un, en temps normal donc là en plus euh, avec les arbres etc c'était euh, c'était assez compliqué quoi surtout que là en plus j'étais sur des quand même sur des grandes longueurs focales c'est pas comme quand on réalise un portrait ou ce genre de choses quoi donc du coup voilà c'est euh, à peu près tout ce que je vais arriver à faire de cette photo euh, faire un effet panoramique de, parce que le problème c'est que là même là on arrive à voir justement en fond euh, d'autres flamants roses. moi l'objectif était vraiment d'isoler quoi euh, et puis surtout après je, je voulais arriver à euh, avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là on a vraiment le, les, les lignes là comme ça, je trouvais ça c'est des courbes et tout, je trouvais ça c'est rigolo. Euh, D'ailleurs la suivante elle est un peu dans le même genre. Euh, si, voilà, là celle-là ça faisait un genre de 8, j'ai trouvé ça rigolo, donc du coup là pareil j'ai refait un, un cadrage de ce type. Euh, ça casse pas des briques. Voilà, c'est euh, les flammes en rose, j'ai jamais réussi à faire une bonne photo parce que... Autant, contrairement, vous allez voir d'autres photos où là, je, je, je suis assez facilement inspiré. Autant sur ces animaux-là, euh, c'est vraiment pas mon truc. Les flamants roses, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, euh, qui m'inspire, quoi. C'est pas, ouais, c'est pas trop, c'est loin d'être mon délire, on va dire. Donc voilà. Alors, hop, euh, ensuite. Donc là, hop, ah oui. Alors celle-ci, est-ce que j'avais recadré ou pas Alors celle-ci, non, elle n'est pas du tout recadrée. Alors, celle-ci, elle a été prise à 350 mm et j'étais à 1 400 euh, 400e de seconde et j'étais à ISO 640. Vous voyez comme quoi, euh, et pourtant, l'ouverture, j'étais à 5.6. Donc, 5.6, là, de toute façon, je ne pouvais pas faire mieux en termes d'ouverture par rapport à mon objectif. J'étais vraiment à pleine ouverture. quoi. Et vous voyez que j'ai dû monter directement quand même assez rapidement à 640 ISO. Euh, bah, surtout quand on utilise des gros téléobjectifs, automatiquement, euh, on, on monte. Mais euh, visuellement, c'est pas gênant. Il n'y a pas... voilà. Je suis à 640 ISO, mais euh, en termes de bruit, honnêtement, euh, on peut en avoir un petit peu, mais euh, quand on voit la taille de l'image telle qu'elle est là, là c'est-à-dire quand je zoome la taille que ça donnerait si j'étais sur papier, euh, non, non c'est acceptable. Par contre, c'est un petit peu dommage, là je suis net ici, mais pas au niveau de l'œil. Donc c'est une photo qui peut être utilisée éventuellement sur Facebook. Euh, sur Facebook, ça peut très bien être utilisé, euh, mais par contre, je ne pourrais jamais l'utiliser sur du papier. Euh, parce que du coup, on va réellement voir euh, pas le bruit, mais on va réellement voir que l'œil n'est pas net. Donc du coup, c'est pas une photo que je vais vraiment tirer sur papier. Quoi. Mais voilà, là je me suis amusé, j'ai essayé de faire parce qu'en fait elle était euh, dans un nid justement. Donc là essayé de faire vraiment des lignes parfaites. Par contre au niveau du cadrage, Parce que si on regarde bien, vous voyez, j'ai pas du tout recadré. Donc j'ai essayé vraiment d'être euh, le plus droit possible. Euh, sachant qu'en plus on le voit un petit peu, on voit que le, le bois commençait à travailler, on voit même qu'il a été de toute façon renforcé. Donc ici, ça commence à faire une, une petite courbe, mais sinon on voit que justement je suis quand même parfaitement droit. Là-dessus, j'essaie de faire le plus gaffe possible, ce qui fait qu'en termes de post-traitement, ça m'évite justement à remodifier les lignes, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une photo que je peux utiliser sur Facebook parce que Facebook compresse énormément. Il y a, on n'aura pas de détails. C'est pas une image que je mettrai sur 500 pixels. Mais voilà, c'est une, une image qui est toujours sympa à voir et, et à conserver. Alors, cette photo, voilà, ça c'est une photo, euh, c'est les macaques de barbarie en fait, ça c'est le type de singe que je préfère, parce qu'on a toujours des super expressions au niveau du visage, ou des situations qui sont vraiment ultra drôles. C'est très souvent avec, euh, avec ces animaux, avec ces singes-là, que euh, j'arrive à faire de super photos. Alors là, le problème qui s'est passé, c'est que je shootais techniquement à travers une vitre. Donc du coup, euh, alors je ne sais pas ce que techniquement, euh, j'étais hyper bien. Euh, j'étais à bon, à 640 ISO, bon, ça c'est une chose. Euh, c'est vrai que j'aurais pu descendre plus bas, sachant que j'étais à 1600 de seconde. J'étais à 5. Euh, j'étais à 158 mm, donc j'étais pas, euh, pas sur une très longue focal mais par contre le, le fait d'avoir shooté à travers du verre euh, vous voyez alors je sais pas ce que, si ça va vraiment bien sortir sur euh, sur youtube de toute façon les, les, la plupart des photos je vais les poster sur facebook euh, la photo est intéressante parce que le singe est allongé l'autre il, il est en train de lui mettre les, les doigts dans le trou de balle à lui chercher les puces c'était assez rigolo je trouvais ça marrant justement comme comme situation voilà, parce que c'est, on sait pas sur le reste du corps, c'est vraiment au niveau du cul qui lui cherche les puces. quoi. Donc, voilà. Moi j'aime bien ces, ces petits moments-là avec les singes. On a souvent des situations assez drôles comme ça. Euh, pour ceux qui l'ont vu, j'avais, euh, ben, j'avais pris aux autres de Beauval d'ailleurs. Euh, J'ai un macaque de barbarie en train de faire un bras d'honneur. Euh, alors je sais pas si je peux arriver à la retrouver, si je vais sur Facebook là tout de suite. Euh, mais avec ces, avec ces singes-là, on arrive toujours à avoir des trucs super sympas. Alors je vais essayer de regarder vite fait justement. Si Je la retrouve sur Facebook. Euh... Alors, on va voir. Je vais essayer de faire assez vite de manière à ne pas perdre de temps et de passer au plus vite sur les photos. Euh... Ça, c'est beau. Ça, c'est zombie walk. Alors, je vais essayer de vous la montrer si je la trouve par là. Euh... Voilà. Donc, voici. Voilà, celle-ci, c'est euh, le singe en fait est en train de se chercher des puces, mais ça fait un bras d'honneur. Donc ça vous montre comme quoi justement on peut se marrer avec euh, avec des photos de singes justement. Donc ceux qui sont sur la page Facebook, hop là, ceux, bien ça toi oui, normalement, hop, ceux qui sont sur la page Facebook euh, l'ont vu, euh, ils la connaissent. Euh, c'est une photo je trouve qui est euh, qui est assez sympa, qui est assez marrante je trouve. Et c'est plein de petites situations à chaque fois euh, pour la plupart des photos quoi. Et là, ça me faisait marrer ce qu'on voyait. l'autre, il est en train de mettre les doigts dans le trou de balle pour chercher les puces. l'autre, il est allongé sereinement, genre, euh, genre, c'est normal, quoi. Et c'est, c'est pour moi au niveau des animaux, c'est des situations comme celle-ci que j'aime, euh, parce qu'en fait, je, pour moi, ce ne sont pas des animaux. Je les, je les considère en fait vraiment comme, euh, comme des êtres humains, enfin comme des êtres humains, comme des hommes, en fait tous les singes je les considèrent comme des hommes. D'ailleurs, j'ai euh, la fâcheuse tendance à les à cadrer ça, d'ailleurs comme si c'était des êtres humains, comme des hommes, justement. Donc, du coup, je fais du portrait conventionnel avec des singes, ce qui a un effet assez sympa de temps en temps, justement. Et c'est plutôt euh, c'est plutôt original, je trouve, contrairement à d'autres personnes qui euh, qui cadrent pas du tout de la même manière que moi. Quoi. Mais voilà, moi, j'aime bien arriver à choper ce genre de scènes qui sont assez rigolotes. Euh, c'est assez sympa, quoi. Alors... Celle-ci, normalement, la suivante, non. hop là, Alors, la suivante, normalement, ça doit être. Voilà, ça, c'est la même photo, pas tout à fait avec le même cadrage. J'avais essayé, mais pareil, euh, au niveau des yeux, c'est dommage, l'image n'est pas parfaitement nette. En plus, on voit une... un morceau de bordure ici, ce qui est plutôt moche. Autant là sur l'autre, bon, il y a juste ce petit morceau-là, mais bon, techniquement, voilà, si euh, on prend vraiment le temps, bon, là, je fais ça vraiment très à l'arrache, mais voilà, si on prend vraiment le temps. On peut très bien arriver à, voilà, à cloner euh, voilà, de l'herbe, ce qui fait que du coup, ça ne se voit pas du tout. Euh, et du coup, voilà, euh, ça passe sans problème. Quoi. Le problème qui, qui s'est passé, moi surtout, c'est euh, pour, pour faire des photos euh, des macaques de Barbarie, c'est que les vitres étaient vraiment, vraiment dégueulasses. Hein, le premier jour. Et le deuxième jour, en plus, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient mis un genre de sprinkler, euh, qui fait que ça... Arrosé partout sur euh, aux endroits où justement c'était euh, c'était du vert donc du coup c'était vraiment dégueulasse c'était pas possible de faire des photos après de l'autre côté techniquement c'était compliqué parce qu'il y avait un grillage et je pouvais pas me rapprocher assez euh, de manière à à pouvoir faire disparaître le grillage comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo il y a une petite technique justement c'est d'utiliser des longues focales avoir son sujet assez loin du grillage mais s'approcher le plus près euh, avec la lentille frontale justement du grillage ce qui fait que le grillage est totalement flouté. Euh, D'ailleurs, on va le voir hein, euh, alors, sur une photo que j'ai prise d'un oiseau qui était en cage. Euh, mm, 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 voilà, c'est celui-ci. Donc là, ce que vous voyez derrière, tout ça, c'est la grille arrière. Mais devant, il y avait une grille exactement comme celle-ci, juste devant en fait. Juste devant l'oiseau, quoi. Et là, on voit que euh, la grille disparaît. Alors on n'a pas des couleurs qui sont euh, type top. Mais voilà, c'était un petit exemple justement que j'ai utilisé et que j'ai fait exprès pour pouvoir vous, vous le présenter. Hop, non, on revient là, tac. Donc on va revenir aux photos. Donc voilà dessus. Alors cette photo, hop là. Alors cette photo, je l'ai prise parce qu'elle me faisait marrer. Parce qu'en fait, euh, le singe, il essaie pas de se balancer en fait. Il y avait le, vraiment le cul par terre. Euh, alors c'est vrai que c'est un peu con parce qu'il y avait ça ici, mais je ne pouvais pas me positionner autrement tel que c'était. Là, il y a même un petit pigeon. Mais ce qui était marrant, c'est que ça faisait genre comme s'il allait se lancer à la Tarzan, sauf qu'en fait, il était assis et il avait juste les mains sur euh, sur sur la corde, mais il bougeait pas, en fait, il restait comme ça. quoi. Alors, j'ai trouvé la situation assez rigolote. Euh, donc, du coup, je l'ai pris en photo. Euh, après, on peut inter interpréter... Hein, bon, là, on n'a pas de sensation de flou, de vitesse, donc si euh, on avait pu imaginer que réellement, il était en train de se lancer, ben, alors, il aurait pu se bouffer euh, le, le, le poteau qui est là, en imaginant. Mais bon, voilà... Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. C'est le fait qu'il soit vraiment le cul par terre avec, euh, avec la corde. Euh, J'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi. Hop. On voit les autres photos. Alors après, voilà. Il y a plein, plein de photos que je n'ai pas vraiment triées encore. J'ai fait vraiment un premier tri pour virer vraiment celles qui étaient en, en doublon ou celles qui avaient vraiment euh, du flou, trucs comme ça, quoi. Euh, parce que contrairement à du portrait, justement, les animaux, il faut, euh, bah, il faut être très rapide. Vous allez voir une photo tout à l'heure qui, euh, qui aurait pu être pas mal. Mais qui du coup est un petit peu foiré parce que euh, le singe ne regarde pas dans la bonne direction. Euh, ce qui fait que ça a l'effet justement du problème du portrait. Quoi. Alors là, on a les petits, euh, les petits masques de Zoro. Alors là, c'est un peu dommage. Pareil, là je le, la mise au point est un peu foirée. Euh, je l'ai faite. Euh, ben on, on va pas avoir d'ex. Euh, je crois que je vais être à peu près au niveau du nez. Est-ce qu'on vient voir en termes d'exif. Là, je suis sur. Euh, là, je suis à 1250 iso. Mais parce que j'avais dû modifier les paramètres et après je ne suis pas redescendu, parce que vous voyez là je suis un 3, 3 e donc à 300 mm, j'aurais pu sans problème passer à ISO 600, à ISO 640, j'aurais pu même tomber à ISO 400, en principe j'aurais été au-dessus par rapport à la loi qui dit le temps de pose à la longueur focale. Euh, J'aurais pu largement descendre en dessous, mais vous voyez que euh, là, ce n'est pas un problème justement de stabilité, c'est vraiment moi qui a merdé au moment de faire la mise au point. Euh, je pense que c'est l'animal qui a dû bouger la tête, et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je n'ai pas, euh, pas activé. Alors sur la totalité des photos, normalement, si je dis pas de mémoire, euh, si je dis pas de, mémoire, si je dis pas de bêtises de mémoire, euh, sur aucune photo, j'ai utilisé le mode de suivi. Euh, à chaque fois, en fait, je faisais, euh, j'appuie à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, à, à chaque fois que je voulais, euh, que je voulais déclencher. À aucun moment, j'ai fait mi-course, déclenchement avec un suivi, etc. Là, non. Là, c'était vraiment de l'instantané, quoi. Alors, ce qui fait que, au moment où on appuie ici, euh, l'animal a le, pour X ou Y raison, bien, bouger la tête dans un sens parce qu'il a entendu un bruit ou autre, et automatiquement voilà ça crée un petit peu de flou et là sur cette photo c'est exactement ça parce qu'honnêtement j'étais à 300 mm euh, j'étais à un temps de pause ultra bref donc en théorie euh, je peux pas avoir de flou euh, de mon côté quoi c'est pas dû euh, à un mauvais mouvement je tremblais ou ce genre de choses quoi parce que là on voit par exemple ici si on voit si on si on regarde là on a des poils qui sont parfaitement nets et là on est sur quelque chose de, de pas terrible quoi donc on voit que ici en fait ça c'est une partie euh, parce qu'en fait, ça partait dans cette direction-là ouais, pour, pour grossir. Donc, ce qui fait que ça, c'est plus proche de moi que euh, que le nez, en fait. Donc, on voit que justement, la mise au point a été faite au niveau du nez, et ce qui correspond au même plan focal, on va dire euh, par rapport au nez, c'est justement les poils qui sont juste ici. Donc, là, on peut vraiment clairement voir que c'est pas moi qui ai bougé, euh, c'est lui au moment de, au moment où j'ai déclenché, qui s'est déplacé, quoi. Voilà, bon le, cas, le cadrage cassé pas 4 pas euh, voilà, c'était pas exceptionnel mais bon après euh, par contre ouais, faut, je vais me mettre directement en module développement plutôt comme ça j'aurai les exifs là-haut et je pourrais faire des modifs. Euh, alors là ce qui était rigolo en fait c'est qu'ils étaient tous en tas. Alors je voulais pas perdre trop de temps sur le coup parce que là je venais vraiment juste d'arriver, c'était vraiment non, ça faisait même pas 10 minutes que j'étais là. Alors sur le coup, je les ai vu qu'ils étaient en tas, j'ai pris une photo comme ça, histoire de... Parce que c'était vraiment rigolo, ils étaient vraiment tous, tous à cet endroit-là, les uns sur les autres, empilés, etc. Quoi. Donc voilà, j'ai pas, euh, j'ai pas trop bataillé là-dessus. J'ai fait une petite photo d'ensemble et euh, voilà d'un peu tous. Et puis, euh, puis voilà. Après, j'ai avancé parce que je voulais aller vraiment beaucoup plus loin. Je voulais vraiment voir des animaux qui m'intéressaient beaucoup plus. Voilà, normalement, je crois qu'il doit y en avoir encore une autre. Voilà. Après, il y en a une autre où justement, où en fait, je voulais faire une vue. Euh, voilà, je voulais faire en perspective, c'est-à-dire, je voulais essayer de jouer, justement, avec... Avec tac, 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 voilà, en avoir plus, plusieurs à la suite. Euh, mais bon, c'est pas, euh, pas réussi. Et puis, de toute façon, en plus, le problème, c'est que là, sur celui-là, ben là, il avait l'œil fermé. Ça aurait été plus intéressant s'il avait eu l'œil ouvert. Après, peut-être qu'en re, en remodifiant du au niveau du cadrage, euh, en essayant de certains trucs, on peut essayer de faire quelque chose, quoi. Mais bon, Hop, ouais, on peut essayer de voilà, faire quelque chose comme ça pour essayer de vraiment donner euh, l'alignement des têtes. Mais bon, c'est pas c'est pas sans sas. Euh, ces photos, voilà, j'aime pas trop. Euh, par contre, voilà, cette photo, c'est exactement celle que je vous parlais tout à l'heure, où justement, bah, le singe était en train justement de regarder sur la gauche, euh, ce qui du coup, bah, c'est un petit peu dommage parce qu En qu'en fait, au moment où j'ai voulu prendre la photo, il était en train de regarder dans ce sens là, en fait. Il, était, il avait vraiment le regard de ce côté-là, donc du coup, ben bah, voilà. Il a bougé la tête à ce moment-là, donc c'est ça les aléas. C'est justement la difficulté qu'on a avec les, avec les animaux, c'est qu'on ne peut pas les diriger. On peut de temps en temps essayer de pousser un petit cri, mais euh, si vous l'appelez euh, hey, oh singe, singe, machin comme ça, ça ne marche pas. Il faut essayer de reproduire des cris euh, proches de l'animal, ce qui fait que du coup, ça peut éventuellement attirer, euh, attirer le regard, ce genre de choses. Alors là, je ne sais pas si c'est lui tout simplement qui a tourné la tête à ce moment-là. Ou où, euh, où il a entendu un bruit, qu'il a interpellé, etc. Quoi. Alors sur cette photo, ben, j'ai en termes de modifs rien là pour l'instant. Voilà, juste recadré, pas recadré, J'ai bougé pour avoir un, ici pour que ce soit un petit peu plus droit, euh, mais c'est tout. Après, bon, ça, si je l'ai fait vraiment très rapidement, j'ai fait un petit, euh, quelques petits réglages vraiment très rapides. Mais bon. Mais sinon, la photo est intéressante. S'il avait s'il avait eu le regard voilà, sur la droite. S'il avait eu vraiment le regard sur la droite, voilà, on avait du vide, on avait de l'espace, donc là il regarde vraiment sur la gauche. Encore, ça peut passer parce que euh, j'ai pas, comment dire, je, euh, il n'est pas totalement sur la gauche. Donc du coup, euh, il n'est pas vraiment trop sur le bord. Donc ça peut aller. Euh, au pire, je pourrais éventuellement faire un ratio, pourquoi pas, un ratio carré, peut-être, essayer de, de voir ce qui est possible de faire. Peut-être un descendant un chouille. Voilà, peut-être partir sur quelque chose comme ça. Euh... Là, le problème en plus qui se passe, c'est qu'en fait, ici, je suis parfaitement droit. Cette partie-là, elle est parfaitement droite, mais le pylône est comme ça. Alors, je pourrais utiliser des outils de transformation pour corriger, euh, mais du coup, ça va déformer et ça va transformer la forme de la queue. Euh, et donc, du coup, ça risque le soir. Euh, ça serait pas forcément très utile. Moi, personnellement, je pense que je vais laisser comme ça. Euh, je vais pas trop m'embêter là-dessus. Euh, je vais vraiment aller euh, remodifier euh, juste deux trois deux, trois choses quoi. Alors c'est pareil. Là j'ai fait des photos honnêtement je n'étais vraiment pas convaincu. Je me suis dit oh, je le prends parce que il était en bout mais ce qui me gêne en fait c'est ce qu'il ce qu y a là derrière quoi. Euh, le, le, le gros pilier je trouve pas ça terrible. Euh, en plus les couleurs sont assez proches euh, aussi bien sur le singe que sur le euh, que sur le pylone quoi. Enfin sur le sur le, le, pylône, le la partie bois donc c'est pas génial. Euh, là, la corde, bon, ça c'est pas trop un souci. Voilà, ça on peut le faire disparaître de manière assez rapide. Hop là, voilà. Je l'ai un peu n'importe comment, mais bon. Voilà, ça se fait disparaître assez rapidement, assez simplement. Euh, après, peut-être qu'en faisant un gros recadrage, certaines modifications, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Euh, parce que bon, moi, je voudrais quand même conserver les pattes. Je veux pas couper trop. Je veux pas faire un truc trop serré. Euh, le problème qui va se passer, c'est que si j'utilise pas un ratio euh, hop, voilà. un ratio comme ça, sinon je vais, je vais risquer, euh, de tomber si je viens à faire une impression sur un, sur un ratio un peu bâtard. Euh, là, pareil, éventuellement, ce morceau-là, je peux le faire disparaître, ça, c'est pas trop la difficulté, quoi. Alors, je préférais peut-être plus le faire avec Photoshop, parce que Photoshop a un algorithme, euh, un système qui, qui permet de beaucoup mieux euh, gérer, justement, euh, les, les corrections. Euh, voilà, voilà c'est vraiment fait grossièrement, mais voilà, ça permet d'imaginer un peu la chose, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, c'est qu'en termes de couleur, il euh, n'y a rien derrière qui me permet vraiment de contraster avec mon singe de manière à le mettre en avant. Quoi. Euh, en termes de cadrage, le problème qui se passait, c'est que même si je me déplaçais, après je me tapais un ciel comme ça et visuellement sur une photo, c'est pas terrible. J'aurais préféré avoir justement des branches. Euh, là, on a du vert, on a des feuilles, etc. J'aurais préféré qu'il soit vraiment euh, dans une position où les feuilles sont derrière lui, ce qui fait que. Bah, ça aurait pu permettre de contraster, parce qu'on aurait eu des feuilles entièrement vertes là, on, on voit bien, c'est un beau vert qui pète pas mal, et avec une couleur marron noir, ça aurait permis justement de, de mieux contraster. Quoi. Donc ça, sur cette photo, voilà, c'est juste une photo histoire de peut-être peut à mettre sur Facebook, mais euh, voilà, pas spécialement convaincu. Quoi. Alors, ensuite, alors celle-là, euh, celle -là, je l'avais là, déjà remodifiée, j'ai remodifié quelques cadrages. Là, c'est pareil, il y a des cordes, il y a pas mal de trucs. Euh, ça me gêne un petit peu. Donc, du coup, oui, j'avais là, j'avais fait un petit ratio comme ça. Ou là, j'avais fait un effet panoramique. On laisse de l'espace, justement, au niveau du regard, comme pour un portrait. Euh, voilà, moi, c'était mon choix sur cette photo-là. Je m'étais dit, euh, voilà, ce cadrage me, me convenait le mieux. De manière à rattraper l'image. Parce que, voilà, l'objectif, c'est ça. c'est par rapport à ce que j'ai fait, par rapport au cadrage qu'il y avait, essayer de rattraper, voilà, en faisant un effet panoramique, un format carré ou ce genre de choses. L'objectif va être vraiment d'essayer de rattraper éventuellement certaines images. Alors, je vais pas parler de, vraiment de, de post-traitement, euh, je vais pas refaire des modifications, exposition, si, là ou quoi. Là, c'est vraiment surtout regarder euh, la, la, la prise de vue. Après, le post-traitement, ça ça se fait à vraiment avec, euh, à tête reposée, en prenant son temps, en réfléchissant à ce l'on peut faire, etc. Quoi. Hop là donc voilà. Alors, cette photo, euh, ben là, celle-là, j'ai pu la faire deux fois. Parce qu'en fait, le, ça c'est la première journée justement. Donc là, il était allongé dans, Enfin, il était assis plutôt euh, dans l'herbe. Euh, il y avait les feuilles, enfin, il y avait les brindilles, etc. qui passaient. Alors, ça passe un peu devant sa tête, mais euh, je trouve que bon, pour le coup, je me dis, voilà, tant que ça passe pas pile vraiment au niveau des yeux. Voilà, je vais dire que c'est pas trop gênant. Euh, parce que moi, l'objectif vraiment, c'était voilà de faire un premier plan, un arrière-plan, et lui faire genre comme s'il était vraiment en mode camouflage, ce genre de choses. Quoi. Je ne cherchais pas à l'avoir parfaitement exposé, avec rien devant, etc. Là, j'ai vraiment voulu conserver la scène telle qu'elle était, justement. Donc là, par contre, le problème, c'est qu'au niveau des couleurs ici, ça fait pas super, super. Euh, le deuxième jour, j'ai pu faire la même chose, mais euh, avec un bébé, justement. Donc il euh, y avait la mère et le petit. Et ça a donné plutôt, plutôt une bonne image. Quoi. Donc on va regarder ça sur, au fur et à mesure. Alors celle-là, je l'ai conservée, je ne l'ai pas effacée quand j'ai fait mon, ma première vague de tri parce que je trouvais intéressant. Alors c'est dommage, j'aurais dû intégrer, parce qu'en fait, c'est là où ça aurait apporté quelque chose à l'image, c'est comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est qui qu tombe justement, qui tombe du ciel. En fait, au-dessus euh, de l'éléphant, en fait, il y avait une grosse... Euh, il y avait un gros filet avec un trou justement pour que l'éléphant passe sa trompe pour attraper justement de la paille, ce genre de choses. Quoi. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant justement le fait de voir tout. Euh, voilà. Que tout, euh, voit, là il y a plein 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 de morceaux qui tombent justement du ciel. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais honnêtement, ça aurait mérité un cadrage plus large, justement. Là, c'est une erreur de ma part. Ça aurait été vraiment plus intéressant, justement, d'avoir vraiment la, le filet pour voir le moment où justement où il tirait dessus, voire... parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Quoi. Après, j'ai une autre photo, justement, où là, il n'y a quasiment plus rien, mais là, il est justement en train de s'alimenter. Là, le problème qui se passe, c'est qu'il y a les pylônes, pas tr... enfin, les pylônes, les piquets, etc. C'est pas très beau. Puis, de toute façon, en termes de cadrage, moi, je sais que. Hop là, reviens à toi. C'est un euh, une photo qui va, mériter, euh, qui, a, qui va mériter un format carré. Mais euh, on n'a pas l'oreille entière. Voilà. Bon les éléphants, j'ai jamais été trop inspiré par eux. Moi, je ne sais pas pour vous, Amit, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Mais euh, moi, les éléphants, ce n'est pas, pas les animaux que j'aime. Voilà, les, les éléphants, euh, les flamants roses, etc. C'est pas forcément les, les animaux qui m'inspirent. Hop, reviens à toi. Donc voilà. Après voilà, vous voyez que sur les photos il n'y a, a aucun post-traitement. Alors cette photo je l'ai prise honnêtement, je l'ai pris vraiment à l'arrache parce qu'il s'approchait assez rapidement de moi. Et euh, d'ailleurs certains l'ont vu, j'ai posté un petit selfie là-dessus. En fait, ça me faisait trop marrer de voir les chicots qu'il avait là, là... enfin qu'elle avait. Parce que c'était une femelle. Donc vraiment les chicots là comme ça qui partaient en couille. <laughs> je trouvais ça vraiment trop drôle. C'est pour ça que j'ai pris très très rapidement la photo. Sachant qu'en plus j'étais euh, avec l'objectif le 150-600, donc en fait il s'approchait très vite de moi, puis là j'arrivais juste au moment où euh, j'étais à la limite euh, de la distance minimale de mise au point en fait. Donc voilà. Donc après je crois qu'il y en avait une autre, non Non oh, ben mais non, il a plus que celle là. Après il y a un petit koala, pareil. Euh, je crois que j'en ai deux normalement, que j'ai conservé, j'ai pas... Ah non, il n'y en a plus qu'une. Voilà, il y a une photo du, du koala. Euh, après on pourrait peut-être faire un petit... hop, voilà, cette balance des blancs. Euh, bon, il n'y a pas, euh, il était pas expressif, il était voilà, il était mode fatigue, etc. Moi, j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça rigolo quand même de le prendre en photo. Après, c'est pas un animal qui, qui, va avoir des expressions, contrairement justement au singe euh, comme j'expliquais, au macaque de barbarie. Là, c'est super intéressant parce qu'ils ont vraiment des expressions sur le visage et c'est intéressant. Là, c'est les animaux qui, de toute manière, euh, c'est un peu comme les gorilles en fait. Euh, alors, les gorilles ont une tronche, ils ont l'air soit en colère, soit triste. Mais en fait, c'est dans leur habitat euh, naturel. En fait, ils... ils ont les mêmes expressions. En fait, c'est pas que parce que c'est dans un zoo ou ce genre de choses. Là, c'est surtout qu'en fait, euh, ils conservent vraiment le, le, le même visage. Quoi, ils ont, c'est, y a pas, y a pas plus d'expression que ça. Quoi. Voilà. Bon après là, il y avait un panda roux au dessus. Euh... Bon, là, je me suis dit, ouais, je vais le prendre en photo. Mais bon, ça, honnêtement, c'est même pas une photo que je vais garder parce que. Je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit, voilà, c'est... C'est un, un petit animal qui est tout seul dans un enclos. Je me suis dit, bon, je vais le prendre en photo, histoire de quoi. Et voilà. De toute façon, là, sur le sur toutes les photos qu'il y a, euh, la plupart, il euh, y en a plein. Par exemple, là, j'en ai, euh, ai une chier, là, il y en a je sais pas combien il y en a. Là, il y en a 20. Ouais, c'est ça. 3. Ouais. Il y a 20 photos. Et honnêtement, là-dedans, je crois qu'il y en a peut-être même pas spécialement une qui est bonne. Mais voilà, je me suis dit, voilà, comme euh, dans mes précédentes photos, je avais pas. Je lui dis bon, je vais quand même en faire et puis je verrai ce, ce qui me reste. Voilà, je ne m'étais pas trop cassé la tête. Alors, euh... Alors là sur cette photo, là on est quand même assez sombre au niveau du visage. Là il faut vraiment le voir en grand format pour s'en rendre compte. Euh, hop, je vais passer en mode développement. Là il faut vraiment essayer de déboucher les ombres pour arriver à avoir un peu plus le regard. Quoi. Là le problème qui se passe, c'est qu'on a vraiment euh, une... On a quelque chose qui pousse très très haut au niveau des hautes lumières là. Ça, ça, ça reflète énormément quoi. Puis là, c'est pas une photo qui est super. Voilà, le problème des, de certains singes c'est que voilà, ils ont toujours une gueule triste, mais en fait, ils ont toujours cette tronche là. Donc, ce qui fait que bon, même si c'est à partir du moment où on sent quelque chose, c'est quelque chose de bon, mais sur, sur la photographie animalière, c'est pas forcément ultra positif quoi. C'est pas forcément l'idéal. Euh... donc voilà, cette photo, je sais pas ce que je vais en faire. De toute manière, je ne je pourrais pas forcément faire un beau cadrage. Je trouvais rigolo de, de conserver la corde. Euh, je ne pouvais pas faire un cadrage assez large, justement, pour, euh, pour l'ensemble. Euh, parce que là, j'étais à quoi J'étais à 273 mm. Euh, j'étais à, à 1600 ISO et je suis à un millième de seconde. Voilà. voilà il n'y a pas spécialement grand-chose. Là, c'était vraiment une photo pour dire d'en avoir pris un en photo. Quoi. Parce que sinon, je pense que je serais parti du zoo euh, sans, sans photo. Quoi. Donc voilà. Alors, euh, alors celle-là, j'ai trouvé ça marrant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant d'une certaine manière. En fait, c'est, euh, il perd ses poils. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu, c'est pas une photo qui, qui est artistique, euh, ni quoi que ce soit. Mais, euh, je trouvais ça marrant visuellement à regarder après, quoi. Marrant, enfin, c'est intéressant, je veux dire. C'était pas très drôle quand même de, <laughs> de les voir en train de perdre leurs poils, quoi. Mais, voilà, je, le, le fait que ça fasse un peu tondu comme ça, voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Alors c'est vraiment pas une photo artistique, justement, là c'est plus une photographie de reportage, on va dire. Euh... Là je n'ai pas cherché à faire l'artistique, je voulais juste que, avoir voir montrer, justement, euh... moi j'avais jamais... jamais vu ça, quoi, et je trouvais ça vraiment super bizarre de voir tous les poils qui tombent là comme ça, tous les morceaux, c'était assez drôle, quoi. Donc voilà. Euh... Alors, là c'est au niveau des loups. Alors là par contre, là j'ai une méchante lumière. J'ai une méchante, méchante lumière. Voilà. On va refaire un petit peu quelque chose qui, qui réchauffe un peu. Euh, alors sur le coup, le problème qui se passait, c'est qu'en fait j'étais sur une petite plateforme en bois. Et euh, le problème qui se passait, je ne pouvais pas être plus haut. Alors là déjà, j'étais à... Bah, j'étais à 600 mm. Là, je ne pouvais pas faire mieux. Donc j'étais à 600 mm et j'étais même tombé en dessous. J'étais à un 4 centièmes de seconde. Alors sur le coup, je voulais essayer vraiment de faire un petit cadre justement avec les, avec les roses devant. Euh, hop. Mais le souci qui se passait, c'est que euh, voilà, si, si je voulais essayer d'intégrer tout dedans, il euh, fallait que je sois sur la pointe des pieds, j'étais vraiment pas stable. Bon, voilà, je crois que j'ai dû avoir deux trois photos comme ça. J'avais essayé. Euh, ah non, même pas. Je crois que je les ai virées carrément. Il me reste plus que celle-là, en fait. Donc voilà. Euh, ensuite, là, on est passé sur l'ours. Sur Alors ça, Par contre, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de reflets. Euh, là, on le voit, comme quoi, c'était ultra brillant quand on voit par rapport au reste de, de l'exposition de la photo. Euh. Bon après c'est pas forcément gênant parce qu'après vous voyez en, en termes de post-traitement je, je peux rattraper vraiment sans souci mais euh, c'est vrai qu'il y avait des endroits où j'avais euh, des méchants méchants reflets quoi. Bon après c'est un, un, un ours, il n'y avait, euh, avait rien de spécial, il s il s à aucun moment il s'est mis debout euh, euh, etc. Donc bon c'est photo banale photo banale j'ai rien à dire de plus je l'ai pris en photo histoire de ouais histoire d'avoir pareil d'avoir une photo euh, de ch de chaque euh, de chaque animal c'était cet objectif là pour les cas euh, pour les rares cas où j'ai gardé des photos quoi euh, si voilà il y en avait une autre où il commence à s'approcher mais voilà rien de plus ah mais ben ça c'est le loup de tout à l'heure justement parce qu'en fait j'ai euh, j'ai commencé voilà par les loups Alors, ensuite il y a toujours enfin pas dans le même enclos mais il y avait juste une petite séparation il y avait les ours et après je suis revenu justement sur l'enclos des loups euh, et puis après, voilà, j'ai essayé de faire quelques petites photos, essayer de composer avec leurs petits cadres qu'ils avaient. Donc, ils avaient pas mal d'arbres, ils, ils avaient une petite fontaine, etc. Euh, et d'ailleurs, j'ai deux fois avec le même truc. Voilà, j'ai essayé de faire deux, trois petits trucs, mais bon, pareil. Là, je n'étais pas vraiment convaincu, il n'y avait pas de photo miraculeuse. Euh, C'est la même, d'ailleurs, elle est même floue. Euh, ouais, celle-là est même floue, je peux même carrément l'effacer tout de suite, j'ai même pas fait gaffe. Euh, alors là, c'était assez rigolo, parce qu'en fait, au départ, voilà, je, j'étais, là, je suis à combien? Ouais, je suis à 600 mm. Donc là, j'étais à 600 mm, j'étais en train de suivre le loup, justement. Et à un moment, justement, ben, j'appuyais à chaque fois pour, euh, pour faire le, un suivi, euh, en appuyant sur le déclencheur. Et à un moment, paf! Ben, en fait, je suis tombé là-dessus. Et en fait, je suis resté là-dessus, et j'ai trouvé ça assez joli comme couleur. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais, je, je vais conserver, quoi. Après, voilà, faut peut-être refaire une petite balance des blancs, parce que ça fait un peu violet, un peu vert. Voilà. Après, ça c'est quelque chose que je peaufinerai parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout commencé à post traiter les photos. J'ai juste essayé de voir pour certaines euh, pour en mettre vite fait sur Facebook. Mais après, c'est tout quoi. Donc là, ça je trouvais, je trouvais assez rigolo. Donc euh, voilà, je me suis dit après à voir ce qu'on qu peut arriver à en faire. Quoi. Alors, celle-là encore, on y va. Ouais, je, suis, je suis juste. Et là, je suis à combien ouais. Là, j'étais à 600 mm. Alors, j'étais monté haut en ISO parce que tout à, euh, enfin tout à l'heure, à un moment, justement, euh, il y avait un gros, gros nuage qui est passé, euh, et du coup, euh, c'était vraiment devenu hyper sombre, quoi. Et en fait, donc, j'ai, j'étais monté dans les ISO, donc là, je suis passé à ISO 1600, euh, et après, le nuage s'est, euh, déplacé, ce qui fait que du coup, je me retrouve à 600 ISO, je suis à 1600, euh, je suis à 1600 ISO, je suis à 600 mm, et je suis à un 4 millième de seconde, à F7.1. Donc là en fait j'aurais pu très bien descendre à ISO 800. Donc si j'étais descendu, descendu à ISO 800, j'aurais été sur un temps de pause de 1 millième de seconde. Euh, 1 millième. Euh, j'aurais pu même tomber à 1 millième, ce qui fait qu'au lieu de ISO 800, j'aurais pu même tomber à ISO 400 sans problème, je pense. J'aurais pu tomber à ISO 400 sans, sans souci. quoi. Mais là le problème qui se passait, c'est que euh, il était toujours le loup était toujours en déplacement, et là c'était vraiment le, le, le seul instant où il s'est figé. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, c'est pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des parcs animaliers ce genre de choses, quand vous voyez des loups, ils sont toujours en train de faire le tour de leur enclos, ou alors ils sont dans leur tanière. Et là, justement, ils faisaient le tour et ils marchent, ils marchent, ils marchent, sans arrêt. Et là, vraiment, à un moment, je sais pas pourquoi, il s'est figé comme ça, et du coup, paf! Là, j'ai déclenché, quoi. Bon, après, là, il y a un arbre, un truc que je trouve pas spécialement beau, on pourrait toujours éventuellement faire un petit, voilà, vite fait, histoire de, quoi, histoire de le faire disparaître. Moi, c'est fait vraiment à l'arrache, vraiment, comme un porc. Hop, on va faire ça. On peut Hop, Voilà. voilà. Euh, après, voilà, c'est une photo que j'ai prise comme ça. J'aurais aimé avoir les pattes. Euh, J'aurais aimé avoir les pattes. Euh, sauf que voilà, au moment où il s'est figé, parce que moi j'étais vraiment en phase de, de le suivre, en fait. Du coup, mais, euh, quand il s'est figé je me suis dit, bah, vite, tant qu'il est comme ça, paf, je déclenche. quoi euh, D'ailleurs, après limite, faudrait même on pourrait même parler éventuellement euh, des modes, enfin pas des modes d'autofocus, mais des collimateurs sur les Canon EOS 6D, euh, comme beaucoup d'appareils numériques, on va dire, sauf si on part sur des modèles euh, spécifiques. Mais euh, je trouve que les collimateurs sont quand même hyper mal positionnés. Euh, parce que du coup, quand on veut faire une mise au point, là par exemple, moi pour la mise au point, l'intérêt c'est de la faire sur l'œil de l'animal. Et là en fait... Tel que c'est positionné, ça correspond à absolument rien en termes de collimateur. Sur le 6D, de mémoire, je suis, je ne peux pas dire de conneries, je sais plus, je crois que c'est 12 collimateurs. Et du coup, en fait, pour arriver à se positionner vraiment pile le collimateur au niveau de l'œil ou vraiment au niveau de la tête, en fait, on est obligé de faire. Je vais essayer d'attraper mon appareil photo que j'ai sous la main. Et du coup, la technique, que, enfin, le truc que je fais, du coup, ça, 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 ça fait foirer justement euh, la, le plan focal. En fait, on est là, et comme le collimateur ne va pas être pile en face, du coup, on fait, hop, on se déporte, on fait la mise au point, on reste le, le, le bouton verrouillé, et hop, et on se repositionne. Et ce qui fait que, du coup, la distance qu'il y a entre le capteur là et, euh, imaginons, euh, ça c'est ma scène, ma scène est ici, quand je vais rebouger là, ça va se décaler d'un petit peu, quoi. Donc, quand on utilise cette technique-là, il faut augmenter la profondeur de champ. Parce que du coup, euh, c'est un peu le même principe, si je faisais ça avec du 1.8 et que je faisais la mise au point sur les yeux, et qu'ensuite je rebougeais l'objectif, enfin l'appareil photo, automatiquement, au lieu de faire au lieu que la mise au point va se faire les, euh, sur les yeux, elle va se faire peut-être soit un peu devant ou un peu derrière. Donc du coup, moi la technique, c'est justement d'augmenter un peu euh, le, le Enfin, de fermer, je veux dire, d'ouvrir, au contraire, de fermer justement, d'avoir une un peu plus grande profondeur de champ donc si par exemple vous étiez à f2 euh, ben, passez à f4 pour être sûr justement de rattraper ce truc là quoi euh, et je trouve que euh, sur le 6d euh, le système de collimateur est vraiment mal foutu alors le top c'est sûr ce serait d'avoir un 5d mark III, mark IV ou, ou ces modèles là qui ont euh, je sais pas combien de collimateurs euh, et ça c'est un gros problème de chez canon je trouve il euh, y a que vraiment sur les très hauts euh, sur les modèles très haut de gamme où on a énormément de collimateurs Tandis que chez Nikon, même sur des modèles bas, euh, pas bas de gamme, mais euh, moyenne gamme, on a, qu a quand même quelque chose de correct. Sachant que c'est quand même un appareil photo à 1600 euros, je pense qu'ils auraient pu sortir les doigts et faire quelque chose d'un peu plus sympa. quoi. Euh, sur le 6D Mark II, je sais pas ce ils en, où est-ce qu'ils en sont d'ailleurs là-dessus. J'ai pas trop, Je ne m'appelle plus de mémoire. Mais voilà. Enfin bref. Donc euh, du coup, c'est toujours un petit peu chiant quand je fais la photographie animalière là-dessus. Parce que je veux pas utiliser le collimateur central. Parce que si j'utilise le collimateur central, bah, du coup, on va se retrouver avec un truc... Euh, on va se retrouver avec un truc tout moche, on va se retrouver avec un truc genre euh, comme ça, quoi. On va être. Donc du coup, euh, lui, il va avoir la tête... Euh, parce que selon comment on va se positionner, il va avoir la tête un peu au bord ou ce genre de choses, et du coup, c est, c est, je trouve pas ça agréable, quoi. Donc voilà, Hop. Donc c'est toujours la difficulté justement de, avec ce genre de boîtier, c'est ça qui m'énerve un petit peu chez, chez Canon là-dessus. Euh, Peut-être un jour je changerai, mais pour l'instant, je, je le conserve. parce que J'arrive à avoir, comme j'expliquais, des petites astuces qui me permettent justement de compenser ces problèmes. Si j'avais vraiment un système de collimateur, à la limite, je vais essayer de vous montrer ça. Collimateur. On va voir Est ce que j'ai. Voilà. Non, je ne vais pas afficher l'image entière. Je vais vous afficher une petite image pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, alors voilà. Donc si j'avais un si j'avais un bon appareil photo, justement ce qui se passerait c'est ça, c'est que j'aurais euh, des collimateurs qui couvriraient toute cette partie-là. Et là le problème sur euh, Canon, sur le 6D, je dois avoir un collimateur qui doit être positionné ici. Donc c'est même pas logique moi voilà ce que j'aurais conçu si j'étais vraiment fabricant d'appareil photo, j'aurais conçu euh, une méthode vraiment simple basée sur une règle des tiers euh, ou même un nombre d'or, de toute façon on repart sur des mêmes points, on part toujours sur des tiers pour partir en spirale, mais ça aurait été beaucoup plus logique de positionner de base des collimateurs sur ces points-là, en fait. Déjà, mettre neuf collimateurs, déjà, ça serait très logique. Plus un central, euh, ça, serait, ça serait vraiment le mieux. Et en fait, chez Canon, j'en ai un ici. Ensuite, j'en ai trois qui sont là. En plus, il y en a trois là. Il y en a encore trois ici. Euh, et l'autre, il est refoutu ici, quoi. Ce qui ce qui sert absolument à rien, en fait, honnêtement. Je, je, je vois vraiment pas l'intérêt, parce que si on positionne, si on utilise le collimateur qui est ici pour faire... Euh, et on fait sa mise au point dessus, ce qui fait qu'on a... Principalement son sujet qui est complètement trop sur la gauche, euh, c'est complètement stupide quoi. Donc voilà, moi bon, c'était un petit truc, je trouve ce que je voulais vous montrer, mais je trouve ça vraiment bête. Je je, je comprends pas ça, des fois la, la logique de certains fabricants. Euh, c'est là où on se dit ces mecs, c'est pas des photographes quoi, qui fabriquent, c'est vraiment des concepteurs euh, de programmes ou de choses, mais ils sont pas ils sont pas de, euh, on dirait qu'ils sont pas pratiquants quoi. Ils sont, on dirait qu'ils qu ils font, qu font pas de photos. Il y a énormément d'erreurs sur les boîtiers qu'on pourrait faire un jour, Alors, pas que chez Canon, hein, chez Nikon, etc. C'est chez un peu tous, mais il y a plein plein de trucs on se dit, mais pourquoi euh, Pourquoi faire ces erreurs là C'est euh, voilà, c'est parfait. Là, j'ai une image typique justement. Hop, voilà. Alors, je sais pas si ça va bien apparaître. Alors sur le 6D justement, les collimateurs, J'avais l'image de démonstration. Montant piémontais, c'est ça comme ça, voilà. Moi, le voilà, voilà exactement à quoi ressemble euh, le viseur, moi. Donc j'ai un collimateur ici qui même pas sur une règle des tiers, qui est vraiment légèrement décalé. Trois là, l'autre qui est plus haut. Je trouve ça totalement débile. Je, je trouve ça totalement débile parce qu'on va pas, on va rien positionner réellement ici. Euh, je, voilà. <laughs> on, va, on va, on va, on va pas insister là-dessus, mais je trouve que le positionnement des collimateurs est, c'est aberrant, c'est, c'est c'est pas logique même si voilà la règle des tiers la, la règle d'or c'est juste des règles de base ou la symétrie euh, ce sont des aides euh, pour débuter la photographie parce qu'après on n'est pas obligé de les suivre l'intérêt va bah, justement de casser ces règles et de sortir justement mais pour ça justement pour pouvoir sortir des règles il faut les connaître et les assimiler euh, il faut les connaître par cœur savoir vraiment les maîtriser pour justement casser ces, ces règles-là, quoi. Ça, c'est une très très bonne technique, mais il faut bien les savoir, il faut bien les connaître, il faut bien les maîtriser justement pour pouvoir casser les codes. Et voilà. Donc bref, on va passer là-dessus, on va retourner sur les photos, quoi. Mais c'est vrai que moi, si j'étais fabricant, je ne serais pas du tout dans, dans cette même logique que euh, que quoi. C'est voilà. Ouais. Du coup, euh, ben là, si. là j'ai pu enchaîner justement plusieurs photos et là, on voit, on voit clairement que justement sur le coup, j'ai pris la photo, tac, je repositionnais et là, on voit que j'ai bougé justement parce que j'étais euh, dans une logique en me disant, es, merde, il est peut-être rebougé de l'autre côté. J'étais en train de repartir sur la gauche. Donc là, ça c'est photos d'ailleurs que je vais virer, mais euh, on va. Voir. Tiens, il est un peu loin charger là aujourd'hui. Voilà, là, il a des plus grands yeux, Ce sera peut-être plus intéressant à conserver, mais euh, le cadrage, est vraiment à chier. Euh, autant mon lot ça peut aller ce qu'il a vraiment il envoie vraiment dans cette direction mais euh, j'aurais aimé avoir les pattes euh, ou alors il a fallu que je coupe beaucoup plus haut mais bon c'est pas grave voilà. comme j'ai dit, voilà c'est vraiment là le but c'est vraiment de regarder les photos c'est pas forcément euh, des bonnes photos que je vous montre je préfère le préciser je, je vous dis pas ces cadrages là c'est ce qu'il faut faire quoi euh, Voilà, c'est un retour d'expérience euh, Par rapport à ça par rapport à ma sortie euh, aux autres de Beauval quoi donc là pareil, euh, j'ai coupé les pattes. J'aurais dû, euh, dû les inclure dedans ou alors carrément pff, couper au niveau d'ici, euh, faire quelque chose comme ça. Quoi. Euh, mais là voilà, pour rappel, je suis à 600 mm. Alors je le répète encore pour ceux qui en ont beaucoup qui viennent d'arriver, euh, je suis à 600 mm, mais je suis totalement à main levée. Euh, J'avais ni, ni trépied, ni monopode. Euh, le trépied était à la maison et le monopode est, il est resté dans la voiture. Parce que sur le coup, j'avais la flemme de m'emmerder à me le trimballer euh, sur place. Euh, surtout que déjà, euh, mon sac, la limite, je peux vous montrer comment j'étais comment équipé. Euh, hop, voilà. Donc là, là, je suis arrivé hier soir, j'ai tout balancé. Enfin, j'ai tout balancé, j'ai juste vidé là. Donc, j'avais ça à la main en permanence. Euh, alors, pour information, en termes de longueur focale, je suis resté entre 70 et 600 mm. J'avais pris quand même mon 24-70 mm euh, au cas où, mais en fait, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, j'ai sorti euh, le 24-70. Celui-là, je ne l'ai vraiment pas utilisé. euh bah limite, ça, ça, c'était un kilo que j'avais dans le sac à dos pour rien, même d'ailleurs. Euh, bon, maintenant, je m'étais dit au cas où, selon les trucs. Et en fait, même dans les serres, en intérieur, avec le 70-200, euh, justement, j'étais à l'aise. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la fois précédente où j'étais allé justement à Beauval, j'étais pas en plein format, j'étais en aps justement. Donc c'est pour ça qu'à l'époque j'étais passé sur du 24-70 pour avoir un, un angle justement qui soit euh, plus large, parce qu'automatiquement quand je suis à quand je suis à 50 mm en aps je suis à 80 mm en plein format en fait. Enfin ça le convertit je veux dire, pardon, j'ai du mal. Euh, -à quand je suis en ray, euh, par exemple quand je suis à 50 mm, en fait je suis à 80 mm. Donc ça c'était le problème que j'avais avant. Donc c'est pour ça que ce coup-ci en fait j'ai pas eu de souci là-dessus. J'ai pu euh, jouer qu'avec deux objectifs, qu'avec le 70-200 et le 150-600, parce que justement je suis en plein format. Donc du coup ça me permet de reculer plus. Et à 70 mm, voilà j'avais euh, vraiment un, un bon angle de vue. quoi. Donc du coup j'avais ça. J'avais mon, mon sac euh, que j'ai depuis un bon moment là, euh, que je traîne mal depuis longtemps, qui est super pratique avec tous les emplacements. Donc là, j'avais le, le 24-70 de 8 de chez Tamron, mais je l'ai très peu utilisé. Je crois que euh, les, les rares fois où je l'ai pris, en fait, c'est quand en fait justement j'allais à l'intérieur et je me suis dit, eh, je sais pas trop si je vais pouvoir l'utiliser, euh, si je vais pouvoir utiliser mon 15600, euh en me disant même au pire que je me bloque à 150 mm. Puis en fait, il y a des fois je l'ai monté dessus, mais je je n'aurais pas eu besoin. J'aurais pu euh, très bien rester avec le 150-600 sans problème. Ça m'aurait euh, techniquement absolument pas posé de problème là-dessus. Donc voilà. Après, bah, au, niveau, au niveau, des cartes mémoire, je me suis pas cassé la tête. En fait, je suis parti avec une seule carte mémoire, une 32 Go, vu que je la vidais tous les soirs et puis même de toute façon, une journée, euh, c'était pas du tout rempli, malgré la première journée où justement, j'ai mitraillé pas mal au niveau des oiseaux, euh, au niveau du spectacle des oiseaux pour arriver à obtenir quelque chose, euh, ce qui n'était pas forcément facile quoi. Hop, on va rebasculer hop, sur la scène. Donc voilà, ça c'est une autre photo où là par contre ce que euh, j'ai intégré justement euh, les pattes, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait le problème qui va se passer c'est que... Euh, hop, on revient là toi. Euh, contrairement à du portrait, au niveau des animaux, pour, surtout pour des, lions, euh, pour des lions, pour des lions, pour des loups, euh, on ne peut pas faire des cadrages comme un, un portrait classique pour, pour un homme, pour une femme. Moi j'ai souvent... Cette manière d'aborder la photographie animalière, c'est de faire des plans de coupe comme si c'était une personne physique, quoi. Et donc pas un animal. Donc des fois j'ai des plans euh, selon les animaux pour lesquels ça passe, mais là par exemple là j'avais complètement foiré, quoi. Mais voilà, là on a là, euh, les pattes, là on sent qu'il était avec un regard un peu euh, un peu méfiant et on voyait qu'il commençait à partir un petit peu chaud le côté parce qu'à ce moment-là il est vraiment parti tout en travers un peu en crabe, en... c'est assez rigolo à voir, quoi. Et là, pareil, toujours, je suis à 600 mm, vraiment, à main levée, donc, à main levée, donc, alors, un truc qui est hyper pratique, hop, je vais repasser en, en écran normal. Alors, ce qui est hyper pratique, par contre, avec les 600 mm, c'est que ça. Alors, ça, moi, je le, c'est le support de fixation, justement, quand on monte sur trépied. Alors, je l'ai pas utilisé sur trépied, mais moi, je le trouve hyper pratique, parce que du coup, quand je le trimballe, je le trimballe comme ça. En fait je le tiens ici, je ne tiens pas l'appareil photo, je ne mets pas la sangle autour, autour du cou, parce que c'est impossible, là il y a plus de 3 kg de matériel, donc euh, autour du cou, euh, à un quart d'heure je deviendrai tout blanc, il y aurait plus de sang qui circule au, au niveau de la tête. quoi Donc vraiment je le positionne comme ça. Euh, après ce qui est bien aussi, sinon ce que je fais, c'est je fais ça. Je le positionne là, et là en fait j'ai les emplacements pour mettre mes doigts, et donc du coup je peux me trimballer et euh, il fait pile l'objectif et l'appareil photo fait pile la longueur de mon avant-bras. Donc du coup je peux très bien me positionner comme ça, c'est vraiment nickel quoi. Mais voilà, euh... le mieux serait d'utiliser un monopode. Euh, je l'avais, il était dans la voiture, je l'avais prévu, etc. Je m'étais dit, euh... puis je me suis sur le coup vu que je vais galoper, je me suis dit ça me fait chier le, le monopode. Donc du coup, je suis toujours dans, dans cette idée être libre, être peinard. Donc des fois, euh, du coup, je suis obligé vraiment de chercher à être le plus stable personnellement. Euh, J'ai pas besoin. Contrairement à un trépied où on se positionne et puis on fait la photo. que là, j'étais vraiment... Voilà, les coudes, ça c'est ce que j'explique assez souvent. Les coudes vraiment contre le corps, ce qui fait que du coup, c'est vraiment après le corps entier qui bouge. Dit que quand vous êtes comme ça, vous pouvez toujours bouger dans, dans, dans tous les sens. Donc vraiment positionner les coudes collés contre le corps. L'objectif, hop, on se lance comme ça, tac. Et du coup, on arrive à être beaucoup plus stable. Après le problème c'est que euh, selon la hauteur à laquelle vous faites votre photo, si vous êtes en vue plongeante encore, ça peut aller. Mais si vous devez vous accroupir, c'est pas forcément évident parce que des fois vous avez être comme ça. Mais le mieux, c'est toujours d'essayer d'avoir le, le coude contre le corps. Ce qui fait qu'après, si l'appareil si photo bouge, vous voyez, c'est tout mon corps qui bouge. C'est un peu le même principe justement que j'ai expliqué quand on veut faire la photo de filet artistique. On positionne soit euh, selon comme on a l'habitude, soit bras tendus. Et avec un mouvement du bassin, je vais faire gaffe hein, parce que je me suis mis un petit verre d'eau comme je sens que le live va durer longtemps. Comme j'explique au niveau un mouvement du bassin avec les bras, avec les bras tendus, justement, et du coup, c'est vraiment que le bassin qui, uh, qui bouge, quoi. Sinon, il y a la technique avec la sangle. Donc là, on positionne la sangle, mais c'est la sangle qui est tendue, et ce qui fait que, vous voyez, on ne peut pas bouger comme ça, quoi, ou il faut vraiment le faire euh, exprès, quoi. Donc dans le cas d'un fil artistique, justement, hop, on peut faire ça. Voilà. Il y a plein de possibilités. Après, bon, quand on connaît sur un trépied, on positionne et on a juste à a juste à utiliser un axe et ça bouge tout seul quoi. Mais voilà. Hop Je ne sais pas où je vais le poser, parce que ça va me prendre la place et ça va m'embêter. Tiens, va faire un tour là-bas toi. Hop Voilà. On peut pas le faire tomber. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, je viens de passer les 10 000 photos avec l'appareil photo. Parce que justement, j'étais en train de décharger. Donc je regarde mes, euh, mes premières photos, euh, la première journée. Et la deuxième journée, je vois, putain le compteur, c'est bizarre, il me marque IMG 001, je dis, c'est quoi ce truc, putain, il m'a effacé les photos, il m'a fait un truc bizarre, je dis, putain, je n'ai pas touché les réglages. Et c'est là où, en fait, je regardais, je vois 9900, ah oui, il a, fait un... il a fait un premier tour, alors, ce n'est pas un premier tour de compteur, mais euh, le système d'algorithme de... de génération d'images, en fait, c'est 9990 images, enfin, 99. Donc, du coup, j'ai déjà fait un premier cycle, quoi. Donc, j'ai déjà atteint, avec celui-ci, 10 000 images, Sachant que je l'ai acheté, ça va faire bientôt deux ans. Je l'ai acheté en juillet ou en août 2016. 2016, c'est ça. Un... Je crois que c'était juillet 2016, je crois, dans ces eaux-là, quoi. Sachant qu'en plus, là, récemment, j'ai pas fait de photos depuis, pff, depuis un bon, bon moment, justement. J'avais pas du tout, euh, j'ai pas eu beaucoup de temps. Là, justement, j'ai profité. Je me suis dit, bon, prendre deux jours, je vais à Beauvais, je vais me faire plaisir, j'aime bien les animaux, il y a les macaques de Barbarie et tout, donc je vais m'amuser, quoi mais sinon voilà j'ai vraiment pas eu le temps euh, de, de faire grand chose quoi donc du coup voilà j'ai ai pu en profiter là mais c'est vrai que euh, euh, faut que j'arrive à me débloquer du temps pour euh, arriver à faire des sorties photos refaire du portrait parce que là on attaque euh, ben là on arrive fin mai quoi donc euh, fin mai euh, début juin donc euh, automatiquement là maintenant on doit pouvoir euh, faire sans problème des photos en extérieur sans qu'il fasse froid sans qu'il y ait réellement problème de pluie euh, etc quoi donc voilà euh, on va revenir sur du développement. Merde. Ah merde, s'est mis là-dessus ce con... Hop, ouais, j'étais pas sur le bon truc. Hop, euh... Voilà. Alors, on va revenir sur la photo. Donc, je me remets sur le dé... module développement. Donc, 600 mm. Ben, vous voyez, là, par exemple, là, je suis à 600 mm, ISO 800, et je suis à 1200... 1 2 millième, pardon. là, j'ai du eu mal. Euh, alors, là, j'étais à 7.1. Normalement, à 600 mm, je suis à 6.3. Mais j'ai choisi de fermer un peu plus le diaphragme parce que justement, j'ai un temps de pause qui me permet d'avoir de la marge, c'est-à-dire même à 600 mm en fermant le diaphragme, justement, j'arrive à conserver un temps de pose d'un demi-dième de seconde, ce qui me permettait de vraiment avoir une plus grande zone de netteté au niveau, euh, au niveau du loup, justement, c'est ce que je voulais, avoir quelque chose d'assez net au niveau, au niveau de la tête. Euh, donc, voilà. Alors, voyons voir. Là, on part, ben voilà. Là, justement, c'est les, les fleurs, justement, qui a, euh, et ici, il y a, il y a sa petite taverne, là. enfin, sa taverne, hein ça Enfin bref, j'ai un peu de mal moi. Hop. Donc voilà. Moi voilà la photo spécial il était en train de monter. Ça n'est pas très belle, pareil. Ça, c'est pas quelque chose que je vais conserver. Là, je pensais qu'il allait avancer, qu'il allait monter. Puis là, en fait, il s'est arrêté parce qu'il y avait l'autre qui était juste ici, quoi. alors on va voir après. Qu'est-ce que j'ai fait Bon, l'autre repris ici. Du coup, voilà, c'est pareil. Là, il y a plein de photos. Là, j'en ai plein en double. Il y en a plein qui vont dégager parce que j'ai pas eu le temps de tout trier encore. Après voilà, là, donc là il, a, il, a, il est remonté justement par le chemin, ce que je disais, ce que je pensais qu'il allait faire, donc il l'a fait, et après en fait, au lieu de continuer sur la droite, il a tourné sur la gauche, après j'ai refait deux, trois photos, là le problème c'est pas très beau, voilà l'arrière, bon ça peint, ça, c'est pas, puis en plus là on voit les fils, les fils de, de sécurité, en plus même sur celle-là on voit même la grille, donc là c'est quelque chose d'assez dégueulasse, euh, celle-ci à la limite, c'est euh, rigolo je trouve, parce que là voilà, on a des belles petites fleurs, avec un animal assez sauvage, cela, je ne sais pas si j'en ferai peut-être quelque chose. C'est vrai que je fais souvent du panoramique, mais euh, voilà, peut-être à la limite de faire quelque chose un peu plus euh, voilà, dans ce style-là. Peut-être descendre même plus bas ou autre. Quoi. Donc à voir. Voilà. Donc là, le but, comme j'expliquais, c'est vraiment juste de regarder les photos. Euh, et pas forcément de faire du post-traitement dessus. Euh, sauf dans certains cas particuliers. Mais voilà. Voilà, bon, pareil, de toute façon, à mon avis, je pense que j'ai dû faire pas mal de photos. J'ai dû pas mal matrier. Pas mal mitraillé aussi ouais voilà j'avais voulu essayer de faire une photo justement au moment où il passe dans l'eau mais en fait euh, voilà c'était il était pas dans l'eau il marchait sur les rochers il, y a... il y a... moi ce que je voulais c'était qu'il marche justement les pattes dans l'eau et que ça éclabousse un petit peu mais le con il a pas voulu c'est un feignant il voulait pas se mouiller les pattes donc il marchait que que sur les rochers quoi enfin bref alors alors ça c'est juste normalement c'est au moment de l'enclos des hippopotames justement euh... Parce qu'au début je les voyais pas en fait, mais ils étaient vraiment plongés sous l'eau. Donc du coup, comme il y avait quelques petits et euh... quelques oiseaux, je me suis dit bon, je vais m'amuser à prendre quelques photos comme ça quoi. Euh... Bon, la photo elle-même est pas mal euh... dans le sens où bon, voilà, on a un beau flou d'arrière plan qui est assez uni, sauf un peu moins là. Euh... Bon, ça c'est pas trop gênant. Mais voilà, on a quelque chose voilà qui permet vraiment de bien contraster avec euh... avec notre. Alors je sais même pas ce que c'est comme animal. On va dire avec notre dinde. <laughs> Enfin, voilà quoi euh, là par contre ce qui se passe c'est qu'à chaque fois j'ai pas mal d'endroits comme là où euh, j'ai euh, vraiment hop vraiment rattrapé euh, peut-être même descendre un chouille voilà histoire de voilà histoire d'avoir une exposition un peu plus un peu plus propre là-dessus voilà parce que là on est sinon on est on se retrouvait avec euh, enfin, on se avec ça ça faisait euh, ça faisait beaucoup beaucoup trop clair quoi bon après cette branche là me gêne pas forcément euh, on pourrait éventuellement essayer de la faire disparaître avec du Photoshop. Alors, je précise vraiment que le Photoshop, et pas avec Lightroom, parce qu'on ferait avec Photoshop, euh, on ferait ça. Euh, et en fait, avec... Euh Enfin, avec Photoshop, on supprimerait cette partie-là. Et ici, en fait, on récupère. Euh, on a l'outil justement de, pour dupliquer. En fait, on choisirait la texture. On choisirait ici. Et en fait, euh, on ferait, oh, sinon au pire, peut-être que je ferai une démo maintenant ou pas. Voilà. On a la possibilité justement. Bon, mais je vais essayer. Si ça veut bien fonctionner, hop. Bon, il me l'ouvre sur l'autre fenêtre. En fait, voilà. On va utiliser l'outil qui va permettre justement de, de recopier cette ligne-là, tout ce, tout ce qui est matière qui est là. Et le, et, le, et le retracer là, ce qui fait que ça supprimerait ici et après voilà récupérer euh, de la matière là et faire disparaître totalement le tronc, ça permet justement, c'est une manière plus ou moins de tricher. Après c'est les goûts les couleurs, certains vont faire ça, d'autres vont laisser avec la branche qui part ici. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me gêne forcément beaucoup, euh, c'est pas quelque chose qui va me, qui va me poser problème d'une certaine manière. Hop, reviens, viens par là toi. Hop, voilà donc voilà ce que je disais. En fait, l'outil, on va utiliser, euh, on va sélectionner la partie, euh, la texture que l'on veut. Donc là, par exemple, pour ici, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, oh merde, j'ai fait un truc un peu plus large. On va faire un truc un peu plus grossier. Voilà. Imaginons, on veut ça là, et hop. hop. Par contre, il faut que je fasse doucement. Tac, voilà. Vous voyez, je fais décaler la matière jusqu'au moment où on ne verra plus euh, cette partie. Euh... Je fais ça vraiment très super à l'arrache quoi. Là ça fait quand même plus clair mais voilà en gros on va récupérer ça et on va hop faire enfin, attention parce qu'en fait si on fait ça si vous regardez là quand je vais passer sur le marron ça va le réappliquer à côté quoi donc il faut vraiment faire ça super proprement euh, voilà. et du coup voilà, on peut arriver à faire vraiment disparaître là je fais ça vraiment à l'arrache je fais ça vraiment comme un barbare Là, là, le but va être justement de récupérer la ligne pour faire disparaître tout le truc. Vous voyez, merde, putain, j'y arrive pas. Putain, oula, je vois rien, hein, je suis même pas précis. Enfin, bref, voilà quoi. En gros, on va, on va redessiner le truc d'une manière à faire ça propre et à le faire disparaître quoi. Donc, en gros, voilà, euh, vite fait à l'arrache en 3 secondes ce que ça donne, qu on fait ça comme un barbare. Et euh, hop, ça ah, ici, toi. Et hop, et voilà la photo comme elle est euh, à la base quoi. Donc, vous voyez comme. Quoi, on peut arriver à supprimer ça et après proprement à faire le truc. Euh, là, euh, là, Photoshop est très très euh, bon là-dessus, il a un algorithme, euh, il arrive très très bien à calculer, adapter et, et modifier les textures pour ça, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Quoi. Donc on pourrait faire disparaître le truc et honnêtement ça, ça, ça serait vraiment pas du tout visible, euh, personne ne verrait rien, euh, mais voilà, après c'est les choix. C'est vrai que ce serait plus sympa quand même de faire disparaître, mais mon côté c'est je trouve pas que ce soit super choquant par contre ouais, c'est vraiment euh, hop voilà Essayez de remodifier un peu Tac. voilà et puis voilà hop donc là normalement il y en avait même plusieurs de cette bestiole voilà plusieurs photos à l'arrache Cela, il bougeait la tête Là j'ai changé de direction donc du coup j'ai de me déplacer de l'autre sens. Donc je me positionne dans l'autre sens parce qu'il avait la tête dans ce côté, de ce côté-là et ce con, qu'est-ce qu'il fait Il regarde à droite. Donc là c'est vraiment là où on se rend compte de la difficulté des animaux, c'est que ce n'est pas du tout des personnes et qu'on ne peut pas les diriger, quoi. On peut pas, vous voyez, et là ce coup là je me suis décalé justement avec euh, l'objectif sur la droite. Donc en termes de longueur focale, je suis à 552 mm. Euh, sur du plein format, euh, voilà, je suis à, euh, donc je suis avec une ouverture de 6.3, ce qui est l'ouverture, euh, la plus grande ouverture possible dessus, et je suis à euh, 1600. Donc vous voyez la difficulté, donc là on le voit justement, donc euh, hop, là, ça revient. Donc là il était là, là il, a, là il a tourné la tête au moment de la photo. Là après il regarde ici plutôt que de regarder là. Donc du coup moi hop, techniquement je me décale justement pour avoir le regard dans cette direction là, et ce con il regarde à droite. Et après du coup moi je me repositionne à droite. Là c'est moi en termes de cadrage où je me suis mal positionné quoi. Et voilà. Donc là après j'ai essayé de faire 2-3 essais en attendant que les, que les hippopotames sortent un peu. Mais en fait on ne peut pas vraiment faire de photos d'hippopotames, quoi, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, donc là après il y avait d'autres, il y en avait d'autres, je me suis amusé à prendre un petit peu. J'attendais que l'autre, il ait justement, ils tous les deux la tête tournée pour qu'on puisse les voir, mais ce coin il voulait pas quoi. Donc voilà. Après c'est là pareil, on pourrait supprimer ce, ce truc-là. Ce, ce, ce morceau de bois là on pourrait le faire avec Photoshop ce genre de choses faire justement que ça fasse un, une ligne ici que rien ne sorte là après voilà ça c'est du post-traitement mais ça après c'est les interprétations c'est les goûts les couleurs de chacun euh, libre à vous ensuite de, de, de faire ce que vous voulez quoi voilà bon, ces photos comme j'ai dit ces photos qui sont brutes c'est à dire j'ai vraiment aucun post-traitement dessus euh, sauf rare cas même là vous voyez il n'y a absolument rien quoi là la photo justement là on voit en fait il y a un hippopotame ici et il y en a un autre juste en dessous et en fait, le truc con, voilà, un truc qu'il faut savoir si vous, si vous allez à Beauval ou si un jour vous avez des hippopotames, euh, il faut savoir qu'en fait, ils, ils restent en moyenne, enfin pas forcément en moyenne, mais ils peuvent rester jusqu'à 10 minutes sous l'eau. Donc si vous vous rendez compte un peu si vous voulez faire des photos. Donc vous êtes là 10 minutes à attendre comme un, comme un gland qui, qui, qui relève la tête. Parce que surtout en plus il lève la tête, c'est juste comme nous quand on a chou C'est-à-dire on a chou hop on sort la tête pour respirer et hop et il replonge la tête aussitôt. Quoi. Donc du coup c'est un, euh, un petit peu chiant. Euh, parce que du coup voilà, j'ai fait pas mal de photos où j'attendais justement qu'ils sortent. Et là en fait il n'y a que au moment où euh, ils sont nourris. Enfin ou du moins... C'est pas vraiment qu'ils sont nourris, en fait ils balancent quelques salades pour que le public puisse les voir justement. Donc c'est le moment où ils sortent. Donc là on peut arriver à, à voir leur tronche. Euh, alors là, la photo en plus, elle n'est pas... Je sais même pas où j'ai fait la mise au point. Là. Là, cette image elle est dégueulasse. Euh, je vais la supprimer à la suite. Voilà, là, j'essaie de, de prendre en photo justement au moment où il est en train de bouffer. Donc là, comme ça, il montre, il ouvre la gueule, on voit les chicots. Donc ça, c'est toujours toujours intéressant de voir la taille, justement. Mais voilà, c'était pas quelque chose de... Euh... C'est Pas ouais, quelque chose de, de sans sas, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que j'aurais, mais euh, les avoir sur terre euh, ou alors juste au moment où ils rentrent dans l'eau. Mais en fait, ils passent leur journée entière dans l'eau et sous l'eau, quoi. Là, vous voyez, à chaque fois, il n'y a vraiment qu'un bout de tête qui dépasse. C'est vraiment pas la tête, c'est vraiment, c'est juste euh, le schmeck. Hein, donc là, il a juste le bout du nez, euh, les yeux, un peu les oreilles, et c'est tout. Il n'y a vraiment absolument rien. Là, il y a ce moment-là où il euh, y en a un qui qui a remonté à la surface vite fait donc là j'essaie de prendre mais bon j'ai fait vite fait l'arrache euh, donc là c'est horrible parce que là il a vraiment la gueule collée au bord donc c'est c'est juste ignoble en termes de cadrage mais voyez oui, il fallait vraiment hein, il faut vraiment attendre le moment où où, où ils vont être nourris ils vont balancer la salade et ça dure pas longtemps ça dure deux minutes donc si vous loupez ça toute la journée vous les verrez pas quoi ou alors vous les verrez un peu sous l'eau et encore alors l'eau, il faut savoir qu'en fait, euh, c'est des animaux qui chient dans l'eau, parce que d'après ce qu'ils supposent, ça serait un moyen de marquer leur territoire, leur passage, un peu comme les chats hein, ou les chiens, enfin surtout les chiens qui lèvent la patte pour pisser. Montrer leur hauteur, etc. Et eux, c'est un peu le même principe. Donc, ils chient dans l'eau et pas ailleurs euh, pour ça. Et euh, en fait, ils ont tout un système de filtration au niveau de l'eau parce que sinon l'eau serait dégueulasse en, en 48 heures, quoi. Il serait vraiment totalement opaque, quoi. Et là, en fait, ils ont un système de filtration. Donc, c'est intéressant ce que du coup, ça permet quand même euh, de pouvoir voir euh, en dessous. Parce qu'en fait, pour ceux qui iront à Beauval, si vous y êtes déjà allé ou si vous, ou si vous allez y aller, euh, vous avez une partie au sol. Je vais me mettre moi en plein écran. Donc, vous, avez, vous êtes soit au sol et là en fait il y a une grande euh, paroi en verre sur, sur laquelle vous allez pouvoir voir sous l'eau. Ensuite, vous avez un niveau qui est au dessus euh, pour voir par dessus et vous avez carrément un niveau encore plus haut pour avoir une vue plongeante quoi. Donc, euh, selon ce qu'on veut faire comme photo, mais honnêtement pour shooter à travers une vitre, sachant que l'eau est quand même assez dégueulasse, enfin dégueulasse, suffisamment propre pour eux, mais euh, pour faire des photos c'est vraiment pas terrible quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait pas mal de photos, j'essaie de d'arriver à tirer quelque chose mais euh, c'est c'était juste pas terrible. Voilà, l'envoi la paroi de <laughs> la paroi en verre, vous voyez l'épaisseur. Alors là, je crois que c'est euh, je sais pas combien de centimètres ça fait mais c'est juste énorme le bassin, il fait en termes de volume, je sais plus mais c'est des c'est un truc de dingue quoi, c'est vraiment un truc de malade quoi. C'est c'est un truc de fou quoi. Le volume d'eau qu'ils qu ont besoin, c'est 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 juste fou quoi. Après voilà, bon, là, je me amusé parce que je trouvais ça rigolo. C'est la première fois que j'en voyais, c'était des, des canards avec bleu. Alors je sais pas, ça se trouve pour certains ça va être très très commun. Euh, moi je connaissais pas du tout honnêtement. Alors je suis pas un spécialiste au niveau euh, des animaux, ça je préfère le préciser immédiatement. Moi ce que j'aime, c'est juste la beauté euh, des animaux. Par exemple on va me dit, hey, ah as eu ce oiseau, moi je dis ok, je trouve super beau, mais par contre je serais incapable de donner le nom. Et d'ailleurs c'est pas mon objectif. Moi je par exemple, quand je fais la photo à de portrait, si j'ai si euh, une personne maghrébine, une personne noire, une personne chinoise, euh, portugaise ou quoi, je ne vais pas lui demander tout son historique. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le physique de la personne. Et là, pour les animaux, j'ai exactement la même démarche. C'est l'animal euh, en lui-même qui m'intéresse, euh, sa tête, etc. Quoi. Après, euh, c'est toujours bien de connaître, euh, de connaître, euh, en connaître plus sur l'animal. Par exemple. Euh, dans le cas, je sais pas, je pas spécialement d'exemple sous la main, mais il y a certains types d'animaux. Ben par exemple, pour l'hippopotame, c'est intéressant de savoir qu'il reste 10 minutes en apnée. Voilà. Ça, si vous le savez pas, vous êtes comme un gland à attendre des heures. quoi. Et en fait, il faut le savoir, parce que ça vous permet justement de vous positionner. Vous voyez le moment où si vous avez loupé le moment où il lève la tête, voilà, vous savez que vous avez un, un bon moment à attendre avant justement de pouvoir refaire une photo. quoi. Donc du coup, voilà, il y a plein de petites infos comme ça à savoir parce que ça vous permet de vous aider pour les prendre en photo savoir mais par exemple si euh, un chameau il boit qu'une fois dans la journée voilà si vous voulez le prendre en train de boire euh, en train de boire avec sa langue qui part en cacahuète euh, comme ils font souvent ce qui est rigolo à faire d'ailleurs comme photo voilà il faut savoir qu'il boit qu'une fois par journée euh, une, fois, une fois par jour quoi par exemple. Voilà, je donne des petits exemples un peu bêtes, mais voilà, c'est plein de petits exemples qui vont vous permettre justement de vous aider euh, à faire les photos, savoir à quel moment de la journée euh, un animal, dans le cas d'un animal sauvage, euh, à quel moment il va aller boire, à quel moment il va aller faire ci, il va faire ça, euh, ou pourquoi il va sortir à ce moment-là, est-ce que dans l'hiver l'animal il sort ou pas, euh, etc. Quoi. Et à quelle distance il va, il va se balader, euh, ce genre de choses par rapport à son terrier ou peu importe quoi donc c'est toujours hyper intéressant de, euh, et même utile euh, pour la photographie animalière de connaître les animaux euh, moi je connais pas tout sur les animaux honnêtement, il y en a très très peu sur lesquels j'ai vraiment des connaissances hein. mais moi ce qui m'intéresse c'est plus c'est la beauté quoi c'est comme euh, on voit une jolie fille dans la rue on lui dit euh, est-ce que je peux faire une photo de vous c'est exactement la même démarche quoi euh, j'ai pas besoin de savoir euh, son nom son prénom euh, à la limite ça je m'en fous moi c'est juste le physique qui m'intéresse quoi c'est vraiment le ce que je vois quoi c'est euh, le reste après c'est euh, c'est un plus c'est un plus, mais pour moi, ce n'est pas obligatoire. J'ai pas besoin de connaître euh, euh, le, le nom des animaux. Là, par exemple, euh, ah non, c'est pas lui, mais ce, ce tout à l'heure, hein, je, je sais même pas du tout ce que c'est comme, euh, comme oiseau euh, qu'on a. Mais ça, ça c'est pas important pour moi. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir voilà, photographier et euh, présenter euh, l'animal le, euh, ou les différents animaux, euh, peu importe. Voilà, moi, c'est cette démarche-là. Après c'est toujours toujours bien d'avoir une culture sur les animaux, ça, ça aide beaucoup. Mais euh, voilà, là c'est dans un parc animalier donc euh, j'ai pas spécialement besoin. Après il y a deux trois petites choses. Euh, à des moments vous avez des soigneurs qui viennent euh, qui font un speech au niveau du micro et là il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Mais euh, parce qu'on peut les écouter et tout. Mais sinon après voilà, s'il y a personne qui, qui qui nous explique voilà moi je, je cherche surtout la beauté euh, de l'animal quoi. Donc voilà. Alors. Là, c'était petit suricate. Alors là, c'était euh, quand même barbare. J'étais au 150-600 parce que j'avais la flemme de changer d'objectif. Euh, et en plus, il y avait une grande paroi de verre qui était assez haute et c'était assez chiant pour les prendre en photo, quoi. Donc là, puis en plus, j'ai pas eu de moment inspirant, il euh, y a qu'un seul moment où il y en a un qui s'est dressé sur ses pattes et qui, je sais pas, il était trop chelou, il était sur les pattes arrière comme ça, la tête en arrière, en train de remuer la tête, la bouche ouverte, et c'est le seul moment où il fallait faire une photo et le moment où j'ai, où j'ai, où j'ai levé l'objectif, il a arrêté, quoi. Donc après, bon, c'est sur i quand ils sont dans des, dans des trucs comme ça, c'est pas, voilà. C'est pas ouf euh, comme photo. Il y avait rien de spécial. jouait pas. Voilà. Ça c'est un autre moment. Ça c'est le moment justement où euh, il était en train de faire le truc. Mais là il était en train de s'arrêter justement. Il était debout et là il était en train de de, de se remettre à quatre pattes justement. C'est ce que j'expliquais. Alors après, euh, alors. Sur cette photo, je me suis posé la question. Je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je continue quand même euh, de faire des photos, sachant que euh, sous cet angle-là, j'avais ces, ces, ces trucs qui passaient devant le visage ou pas Je me posais la question. Puis à un moment justement, il y a la patte qui est levée. Et en fait, si vous regardez, on ne sait pas à quel animal correspond la patte justement. Et j'ai trouvé ça drôle, et c'est pour ça que j'ai déclenché. Après, je crois que j'ai refait deux trois photos parce que justement, lui il était pas net sur les photos. Euh, Est-ce que je les ai gardés ou pas Voilà, il y en a d'autres où, où j'ai pris. Voilà, moi ça me gênait d'avoir ça devant parce que ça cachait un peu euh, le visage. Alors des fois on peut avoir, dans, dans le cas de certains animaux, avoir des trucs qui leur passent devant le visage. C'est pas forcément ultra gênant je trouve, mais euh, ce qu'il faut par contre, obligatoirement, c'est pouvoir voir les yeux. Ça, c'est hyper important, que ce soit pour un portrait, une personne physique ou un animal. Les yeux, c'est hyper important. Voilà, bon, on a le truc qui passe en plein dans les yeux. Donc ça, c'est une photo, je vais la jeter, je vais l'effacer tout de suite. Euh, ça sert à rien, quoi. Euh, autant quand ça passe autour, ça peut passer. Mais là, là, par exemple, ça passe en plein dans les yeux. Donc c'est juste c'est juste chien, quoi. Donc là, j'efface direct, je ne me casse pas la tête, quoi. Donc voilà. Alors là la difficulté c'est qu'en fait là ça descendait et on ne pouvait pas forcément euh, avoir un autre angle pour pouvoir justement euh, les prendre en photo sans avoir ce truc là. Je sais pas ce que c'était en plus. Euh, je sais pas si c'était un truc en plastique ou un machin. Euh. C'est ouais, un truc en plastique ou je sais pas ce que, du tout à quoi ça sert parce que ça va dans tous les sens euh, en forme. Alors est-ce que c'est euh, pas un petit tube euh, pour un genre de brumi un, un brumisateur justement Est-ce que c'est pas un mini truc comme ça parce qu'il euh, y en avait un petit peu partout je trouvais ça un petit peu bizarre. quoi. Ah, il y avait juste une petite mouche ou abeille, pile, <laughs> au moment où j'ai pris la photo. Quoi. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez désagréable d'avoir ce truc-là. Puis je me suis dit, bon, on va voir si j'arrive à faire des photos où justement, euh, ça se voit pas trop. Ou peut-être qu'éventuellement, avec Photoshop, je ferai disparaître. Je verrai quoi. Mais voilà. Et à chaque fois, euh, les angles, il y avait toujours un truc euh, qui, qui gênait là-dessus. On va voir. Hop. Donc là, on va passer au reste des photos. Après, si euh, il y avait ça. Bon là, le problème c'est que là il y avait la pierre et là on voit justement la hauteur. Donc là je suis debout, je suis presque euh, à la, sur la pointe des pieds, je suis à 428 mm et euh, vous voyez j'ai la bordure qui est là quoi. Donc là je pouvais pas faire mieux, j'avais la pierre qui était ici et si je me décalais sur la droite justement c'était en descente, ce qui fait que ben, là l'herbe ici en fait on serait arrivée là visuellement quoi. Donc ça m'aurait caché. Euh... Donc voilà. C'est vrai que des fois, on est techniquement, euh, coincé par rapport aux eaux, parcs animaliers ou aux refuges tel qu'il est conçu. Euh, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, il faisait une tête rigolote. Il est en train de me regarder, là. Voilà. Oui, après euh, dans l'ensemble, voilà, il y a quelques photos qui sont intéressantes. Bon, après, il, il, il en reste encore euh, pas mal à, à visionner, mais euh, après, voilà, il y a quelques unes où là, on a des belles couleurs. Là, par exemple, on a un beau bleu, euh, vert, euh, avec le panda, ça sort plutôt pas mal. Euh, là, c'est le recadrage à retravailler, mais euh, voilà, il y a quelques photos qui sont plutôt intéressantes. Alors ça, c'est la grosse difficulté. Par exemple, si vous faites des photos de panda, si vous voulez avoir les yeux, c'est même pas la peine, parce que là, automatiquement, vous, 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 on peut pas obtenir mieux, parce que si vous je vais positionner en développement. Si j'essaye de monter dans les ombres, enfin, si j'essaye d'ouvrir, automatiquement, au bout d'un moment, ici, ça va devenir non plus noir, ça va devenir gris. Et c'est vraiment, c'est vraiment difficile, justement, comme photo techniquement à gérer. Euh, les, 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 les pandas, à cause de leurs taches qui sont sur les yeux, c'est hyper chiant, quoi, là-dessus. Donc voilà. Donc après, sinon dans l'ensemble, en bonne photo, on va dire, euh, en photo intéressante, il y avait celle-là. Ça, ça, ça me fait marrer. Le petit singe euh, allongé sur le ventre et l'autre qui lui met les doigts dans le dans le derche pour lui chercher les puces. C'est une situation qui est assez rigolote. Moi, ça me faisait marrer quoi. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a comme photo intéressante Il ah, y avait celle-là, mais c'est dommage parce qu'en fait, il a tourné la tête pour regarder ici euh, au moment de la photo. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a comme mode photo intéressant oh, Il y a celle-là, mais euh, voilà. Hum, hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après il y a le petit coup, là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, celle-là me fait marrer parce que c'était les, les chicots. Donc là, c'est pas une photo qui est artistique, mais voilà, ça, ça montre juste les chicots. C'est une photo qui va faire rire 30 secondes et puis voilà, on passera à la suite. Mais voilà, je trouvais ça rigolo et ça m'a fait marrer. quoi. Euh, après comme boîte, photo qui soit intéressante. Il y en a quelques-unes qui peuvent être en étant travaillé on peut sortir quelque chose de pas mal euh, dans celle-là. Euh, après... Euh, toc, toc, toc. Ah oui, là on va atterrir justement. Bon, là on a finit les lions, et là on va attaquer... Euh, voilà, il y en a d'autres là. Ah il y a les yens. Salut à toi, euh, Jean. Et après c'est Chia Tsouland. Voilà, hop. Voilà, donc après... Euh, on va attaquer justement, euh, voilà, ça c'est une dernière qui est là. Et là on va attaquer justement dans le spectacle des, euh, avec tous les oiseaux, etc. C'est euh, les, euh, le nom c'est les maîtres déserts. Euh, hop, rien par là. Voilà, par contre, on va mettre sur, on va mettre sur développement. Tac. Hop, voilà. Euh, après, voilà, comme j'ai expliqué, pour ceux qui ont. Après, ils verront éventuellement dans le replay. Moi, j'étais mal positionné pour, euh, pour les photos euh, à ce moment-là. J'ai beaucoup mitraillé, mais c'est vrai que j'ai eu une grosse difficulté à arriver à les choper en plein vol. Donc, comme j'étais juste à côté de, de, de là où ils se posaient, du coup, j'en ai, ai pris pas mal ici. Euh, après, la difficulté vraiment de les prendre en plein vol, euh, c'était quand même assez chaud. Euh... J'ai tenté de faire deux trois trucs mais à la fin je me suis pas cassé la tête. Euh, autofocus cent... euh, collimateur central, je veux dire, pas autofocus, pas autofocus, collimateur central et puis hop quoi. De euh, toute façon, il n'y avait pas trop trop le choix. Euh, là, il était hyper loin. Après, on va voir, là, il y en a un autre en plein vol. Mais c'est vraiment chaud parce que... Alors je sais plus lesquels. Euh, il y en a un, il va à 300 km heure. Donc 300 km heure. T'as intérêt, je te dis, d'être rapide. Bon, là, ils tapait tapaient pas des pointes à 300 km h À un moment, ils tapaient, ils expliquaient, le mec, bon, là, il est à peu près il était à 120 km heure. J'ai dit, ouais, d'accord. <laughs> euh, C'est enfin, des trucs de fou, quoi. Il y en a, ils vont à, 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 des, à des vitesses de dingue. Quand ils attaquent en piqué, justement, je ne sais plus lesquelles c'était, justement, en piqué, justement, ils, ils, ils vont atteindre 300 km heure. Euh, après, quand ils planent comme ça, euh, selon l'angle, à euh, un moment, ils nous disaient, voilà, on était à peu près aux alentours des 100 km heure. C'était vraiment chaud quoi parce que j'étais mal positionné, justement. Là par exemple, là, il y a quelques-unes qui peuvent être éventuellement pas mal. Voilà, si je si, si j'essaie de recadrer, Merde. Hop. voilà, si j'essaie de recadrer, que je refais un truc serré dessus. Voilà, il y a quelques photos que je vais pouvoir peut-être. Voilà, celle-là elle est pas mal parce que là il est vraiment pile face à moi. On a vraiment le regard ici, mais euh, honnêtement, c'est il y a des photos, c'était vraiment chaud et c'est là-dessus où j'ai vraiment mitraillé et j'ai eu le plus de difficultés. Euh, j'ai l'autofocus, qui a pas mal patiné euh, au moins de faire la mise au point, puis surtout avec les pentes, etc. Euh, C'était euh... la première fois euh, que j'ai fait euh, ce spectacle, j'ai pas eu trop de difficultés parce qu'en fait on avait un vent, un, on avait un vent inverse. C'est en fait ils avançaient vers moi et le vent venait d mon, euh, de mon dos vers eux. Donc du coup ce qui se passait c'est que techniquement, euh, ben, il... ou oh, ma souris. En fait ce qui se passait c'est qu'en fait ils planaient. Moi j'étais ici, le vent arrivait par là et eux ils venaient ici. Et à un moment, d'ailleurs, c'est assez drôle. Alors, je sais plus ce que c'était. À un moment, euh, donc, ça fait un, c'est un arc de cercle. Et à un moment, il y avait un oiseau, il était là. On le voit, on le voyait planer comme ça. Mais il avançait pas, il faisait du sur place. Et le mec, il nous était Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, euh, la présentatrice expliquait que justement, il y avait tellement de vent. D'ailleurs, il y avait des grosses bourrasques de vent. Il y avait tellement de vent qu'il pouvait plus avancer. Et même à un moment, donc, ça fait l'arc de cercle comme ça. Et on le voit, pouf! Il tombe. Bon, il est pas tombé, euh, net, quoi. Mais en fait, il, 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 il a compris qu'il pouvait pas avancer, il pouvait pas lutter contre le vent. Donc, du coup, je... Il est redescendu pour repartir plus loin et après réavancer quoi. Donc du coup techniquement comme ils avaient vraiment un vent de face, euh, du coup ça a permis justement de les ralentir. Donc la première fois que j'ai fait ce spectacle, j'ai réussi à faire de fait, euh, à faire pas mal de photos, j'ai réussi à en faire euh, des assez sympas. Mais euh, ce coup-ci par contre euh, c'était vraiment chaud et j'ai pas spécialement assuré quoi. Euh, après à un moment je me suis pas trop cassé la tête parce que aussi j'ai fait pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un live sur Facebook. Euh, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, mais là j'en ai fait un justement. C'était vers la fin du spectacle, parce qu'en plus c'est assez long, c'est une demi-heure. Ce qui présente, voilà, donc euh, là il y a les il euh, y a les aigles, là il y a les il euh, y a les rapaces, il y a les il euh, y a un peu tous les trucs et présente au fur et à mesure. Et c'est vraiment à la fin où il les lâche tous. Et là il y a les perroquets, il y a les machins, ça vole dans tous les sens. Hein, c'est euh, voilà quoi. Donc là techniquement, euh, là-dessus voilà, j'ai pas pu faire euh, j'ai pas pu faire des trucs de dingue. Euh, après là j'ai rien recadré, j'ai rien post-traité quoi, j'ai vraiment laissé euh, tout de base. J'ai vraiment fait aucune modif quoi là, c'est juste pour présenter un petit peu le truc. Mais bon, c'est vraiment la difficulté. À un moment ce que j'ai fait, c'est justement il venait, il se positionnait ici ce qu'il y avait une poutre en bois justement et il venait se positionner ici pour s'asseoir. Et euh, j'ai essayé de choper là. Et, euh, et le problème c'est que souvent il a au lieu d'arriver comme ça et se poser là, en fait, ils il étaient plus bas et hop et ils remontaient ici en fait. Donc Voilà, c'était pas forcément évident, c'était euh, une des difficultés. Voilà, J'ai pris lui, il était carrément hyper loin. Là, je suis à 500 mm, euh, mais là, le problème qui se passe c'est que euh, automatiquement, on a quelque chose d'un peu dégueulasse parce que déjà, euh, bon, si on abaisse un peu comme ça, on peut pas faire spécialement grand chose. Mais euh, on a euh, là, je suis à, à 500 mm, je suis à 6,3 et je suis à 1,4 millième de seconde. Donc, là, je suis en termes de temps de poche, je suis vraiment au taquet, mais c'est parce que. Même à 500 mm, il était tout petit. Euh, et puis en plus, on avait un ciel qui faisait vraiment blanc. Euh, C'était juste avant la pluie. Donc on avait vraiment pas mal de nuages. quoi. Donc voilà, après, voilà, en recadrant, on peut arriver à faire un petit truc. Alors c'est pas une photo que je pourrais tirer sur papier automatiquement. Même si j'essaye de déboucher les ombres, etc. Euh, je ne pourrais pas l'utiliser sur du papier. Mais je pourrais en faire une petite, euh, une petite bannière Facebook ou ce genre de choses, je pense. Donc voilà, après, il y a plusieurs il y a plusieurs photos. Alors il y en a beaucoup que j'ai viré parce que voilà, ils étaient vraiment carrément flous. Euh, puis après les animaux étaient vraiment petits donc quand ils sont euh, parce qu'en fait, à un moment, ils passent vraiment au niveau du public. Hop, je vais repasser en plein écran. Donc en fait, euh, ça fait l'arène comme ça et en fait, euh, il y a des petits euh, pff, des des petites poutres en bois comme ça et on passe, ils passe il passe d'un endroit à l'autre et en fait, ils font hop, ils sautent et pff, il plane juste au-dessus de, euh, juste au-dessus de notre tête, quoi. Donc, d'ailleurs, ils expliquent, euh, pour le spectacle, surtout, ne vous levez pas, ne mangez pas, parce que sinon, ils viennent choper notre bouffe. Et c'est vrai que, moi, la première fois, à un moment, y en il, il a, il y, y a, y a les griffes qui m'ont tapé au niveau de la tête, hein, tellement qu'il passait à ras, quoi. C'est-à-dire, il frôle réellement, quoi. Euh, c'est, il faut vraiment pas être grand, quoi. Si tu fais 1m90 de mètres, euh, baisse la tête, quoi. C'est, c'est, vrai, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment super chaud, quoi. Donc, voilà. Donc, après, on va voir. Hop là, reviens là, toi. Donc après voilà, j'ai essayé de les choper en fait de faire des photos euh, juste quand ils arrivaient là. Mais la difficulté aussi qui se passait, c'est qu'en fait, j'étais vraiment trop proche de, de cette partie-là. Ce qui fait qu'en fait, euh, là encore cette photo, celle-là elle est nette. Mais si c'était rapproché de 2-3 cm vers ici, vers moi, euh, mon appareil photo, euh, enfin mon objectif ne, ne me permettait pas de faire la mise au point. Parce que justement, euh, là on était vraiment à la, la distance minimale de mise au point. Je pouvais pas être plus près justement de mon sujet. quoi. Donc voilà. Alors hop, donc voilà, on avait des vautours, on avait des rapaces, on avait un petit peu de tout, etc. quoi. Enfin voilà, hop. Après voilà, donc du coup, je me suis pas trop cassé la tête à la fin, j'ai fait beaucoup de photos où justement ils sont sur leur sueur. Voilà, c'est où on est où ah, Si celui-là est marrant, celui-là, à la fin du spectacle, il est resté comme ça pendant peut-être 20 minutes. Pendant 20 minutes, l'autre, il reste comme ça, les ailes dépliées, et il ne bouge plus. Je suis au coup, moi je me dis, putain, quest s'y qu'ils branlent euh, et qu'ils qu y fait Et en fait, est resté comme ça. Et les gens, ça y est, enfin, les, les, les comment s'appelle Tous ceux du parc, ça les inquiétait pas. Ils disent, oh, c'est normal, c'est normal. Et voilà, donc après, voilà, il y a pas mal de petites photos là. Après, euh, alors là, il y a un moment, c'est dommage, j'ai pas pu prendre en photo. Il euh, y avait justement euh, les girafes, euh, il euh, y avait des zèbres, etc. Et lui, justement, il euh, y avait, euh, alors, il nous a expliqué la différence entre léopard et jaguar. Jaguar, justement, ils ont des taches noires avec une tache à l'intérieur, donc c'est pour ça, c'est le, le le J de, de jaguar, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc ça, c'est les léopards. Voilà. Ça c'est la technique, le moyen mémotechnique pour pour, pour vous en souvenir. C'est le c'est pas les éleveurs, mais les soigneurs justement qui nous avaient dit ça quoi. Donc voilà. Et à un moment justement, il y a les zèbres et tout qui étaient euh, avec les euh, avec eux et les euh, et les girafes. D'un coup, ils sont mis à courir comme des dingues. On ne sait pas pourquoi. Et là, eux, euh, tous les léopards, ils, à un moment, ils se sont regroupés. là, on en voit une, où justement il est là. Il essayait de sauter par-dessus. Euh, enfin, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait euh, il y a une pierre qui est vachement haute. Mais il essayait de sauter par-dessus, justement, pour voir les zèbres, etc. Quoi. Donc, c'était assez rigolo. Quoi. Donc, après, voilà. Donc ça... Voilà, donc là, il y a plusieurs photos. Voilà, ça, c'est dommage. Il y a ces trucs derrière qui attirent un peu l'œil. Ça, c'est ce qui me, me gêne. Mais bon, là, c'était le pont où, en fait, on passait pour être au milieu de l'enclos pour les voir et puis ensuite pour continuer la visite, quoi. Et après, voilà, il y a quand même quelques photos. Voilà, il y a celle-là que j'aime bien. Euh, voilà, celle-ci. Hop, on va passer un post-traitement. Donc, celle-ci, justement, est totalement brut de capteur, aucun recadrage, aucune correction d'exposition ou quoi que ce soit. Et là, l'image, celle-là, je la trouve vraiment super intéressante. Euh, en plus, on a, un, on a un piqué qui est plutôt sympa euh, pour cet objectif-là, honnêtement, je suis, euh, je suis assez content. D'ailleurs, j'ai publié vite fait sur Facebook euh, quand je suis rentré le soir. Enfin, j'ai publié sur Facebook euh, comme j'ai pu, parce que j'avais une connexion Internet, c'était juste ignoble. C'était vraiment ignoble, c'était juste impossible justement de pouvoir... Euh, de, de pouvoir envoyer quelque chose déjà pour avoir internet j'ai en fait j'étais dans un airbnb en fait et dans cette même maison elle était divisée en deux donc il y avait une partie où il y avait le propriétaire et la, et la partie où j'étais et en fait pour avoir accès à internet je devais prendre mon ordinateur et le coller carrément contre le mur donc j'avais l'ordinateur j'ai mis l'écran bien bien droit du pc portable et coller contre le mur pour arriver à choper un peu de débit quoi et sur le coup je me suis dit oh, on va voir quelle connexion internet il a je me connecte, je fais Mira DSL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de technique pour tester le débit. Et j'étais à 7 kilo octets par seconde. <laughs> je, te laisse, je te laisse, imaginer le truc de dingue, quoi. C'était du 56K, quoi. Ce que j'avais dans les années 90 en connexion Internet, quoi. Donc c'était un truc de fou, quoi. C'était, horrible, quoi. Donc j'ai pu répondre à quelques personnes vite fait quand je suis, quand je rentrais le soir chez moi. Mais sinon après la journée, bon, j'avais le téléphone portable pour, pour faire les petits lives Facebook, etc. quoi. Donc voilà. Donc c'est voilà. Ces photos, j'aime beaucoup. Parce que voilà, c'est vraiment des photos qui sont totalement brutes. Là, on a un beau flou euh, d'arrière-plan, euh, bien vert. Ça permet vraiment bien de le décoller de l'arrière-plan. Euh, vraiment aucun post-traitement, aucune modification au niveau, euh, justement, au niveau de la balance des blancs. C'est vraiment tel quel. Euh, Là-dessus, je suis assez content sur ces photos. Je les trouve plutôt sympas. Euh, voilà. Et là, en termes de Techniquement, ben là par exemple là je suis à 600 mm. Donc là je suis à fond la caisse sur mon objet. Euh, parce que ça je suis sur le 150-600 de chez Tamron. Euh, voilà, je suis à ISO 800, 600 mm, 63. Euh, donc là l'ouverture, c'est la plus grande ouverture que j'ai sur cet objectif là, à 600 mm, et je suis à un millième de seconde. Donc là je ne pouvais pas techniquement mieux, euh, bonne ouverture, euh, très très grande, euh, longueur focale. De pause au-dessus de la longueur focale, donc là j'étais vraiment bien au point de vue réglage ISO 800. De toute façon, je pouvais pas tomber en dessous, et voilà. Donc, c'est là j'aime bien cette photo. J'aime bien le brut tel que ça sort. J'aime bien comme ça. J'aime bien. Alors, peut-être que je ferai des modifications, mais honnêtement, je pense que ce sera vraiment très sommaire. Ce sera vraiment très très light. Je me casserai pas la tête à faire quelque chose de très compliqué avec ça. Quoi. Alors là, par contre, et sur cette photo, là on a un gros truc noir. Je sais pas ce que c'est. Hop, alors. Voilà, donc là, c'est le moment où il a vu les zèbres. Ils étaient tous en train de courir. Donc là, ils étaient comme des dingues parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont, je crois, qu'ils sont cinq ou six. Hein. Euh, et là, les, les léopards, ils étaient comme des fous. Euh, ils n'en ils pouvaient plus, quoi. Ils étaient là, euh, à table, à table. Ils attendaient que ça. Là, on les voit, les autres. Ils étaient là. Ils étaient comme ça, debout là. C'était vraiment impressionnant à voir. Parce qu'ils tournaient à gauche, ils tournaient à droite. Là, ils sentaient, quoi. Ils, c'est marrant parce que c'est des animaux, ceux-là, ils sont nés, euh, ils sont nés dans, un, dans un zoo, mais ils conservent, au point de vue génétique, justement, euh, l'instinct, justement, ben, comme les chats. Euh, les chats, euh, ils enterrent leur nourriture, ce genre de choses. Ils sont toujours en train de gratter au niveau du sol quand on pose des croquettes. C'est l'instinct qui est, euh, est, des milliers d'années d'instinct, quoi. C'est euh, ça qui est intéressant, justement. Donc voilà, hop. Merde. On va, mettre, on va se remettre sur la grille, on va pas regarder toutes les photos, parce que là, ça fait déjà une heure et demie voilà, qu'on est en direct. Euh, donc ça, c'est la photo que je montrais tout à l'heure, que j'ai expliquée. Donc ça, c'est une photo qui était prise à travers une grille telle qu'elle est derrière. C'est la même grille qu'il y avait devant, et j'ai pu euh, quand même réussir à faire cette photo-là. Donc pour ceux qui... Euh... Salut à toi, Eric Donc pour ceux qui connaissent pas, euh, en fait, la technique, euh, il faut utiliser une grande longueur focale, pardon. par contre, euh, vous ne pourrez pas faire ça avec un 24 mm. Vous faites ça avec un objectif à partir de 70 mm, vous collez, à ce moment-là, vous enlevez le pare-soleil de votre objectif. Parce que moi, sur tous mes objectifs, j'ai toujours le pare-soleil en montée en permanence. Euh, déjà pour le contraste, pour euh, l'humidité, pour euh, tout ce qui est bué, tout ce qui est choc, etc. Mais voilà. Là, il faut enlever le pare-soleil. Euh, sauf si on utilise vraiment des très très grandes longueurs focales, où là, on peut se permettre de, de ne pas le faire. Il faut coller le plus près possible euh, le grillage euh, de la lentille frontale de votre objectif. Faire la mise au point sur votre sujet en utilisant si possible la plus euh, grande ouverture possible et vous arrivez justement à avoir du coup ben, l'oiseau et pas du tout de gris devant. Alors on a un, une légère couleur si on regarde, on a un léger effet, mais sinon on a euh, clairement euh, notre, notre oiseau qui est, euh, qui est net. Voilà, bon, je suis à ISO 800, je suis à 200 mm, je suis avec une ouverture de 3/2. Alors mon objectif permet de faire du 2,8. Euh, alors pourquoi 3-2 Je le mets pas 3-2, je fais soit du 2-8, soit du 3-5. Je dis jamais euh, c est, c est cet intermédiaire. Euh, ça, c'est je pense que c'est tout simplement un mauvais réglage. Ou alors si, c'est peut-être par rapport à la longueur focale, justement, parce que je, comme je suis à 200 mm, je ne m'en rappelle plus là maintenant. Euh, comme j'étais à 200 mm et que j'étais à 1/2 centième de seconde pour pas tomber en dessous. C'est peut-être pour ça que je suis resté à 3-2 et, et que je me suis pas mis à 3-5. Euh, et euh, comme de 8 à 2... À 200 mm ça fait vraiment une faible profondeur de champ. je pense que j'ai dû sur le coup vouloir vouloir assurer euh, pour avoir quand même une bonne partie de net quoi. alors euh... Alors, euh... alors eric pour ta question est- ce que j'ai passé une bonne journée au zoo euh, pas trop parce que la deuxième journée euh, enfin tu verras le replay éventuellement si on regarde euh, du live. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans la deuxième journée, à partir de 13-14 heures, il s'est mis à pleuvoir bien comme il faut, non-stop, foudre, orage, éclairs, euh, enfin tout le, voilà, tout, euh, tout ce qu'il faut justement pour pour t'empêcher de profiter, quoi. Donc du coup, ben bah, j'ai euh, automatiquement, mais je suis reparti chez moi parce qu'en plus j'ai à bah, j'ai mis 5 heures, 5 heures pour rentrer. Donc en fait, tu vois, euh, je suis rentré chez moi hier, il était. Euh, était quelle heure était euh, 19h30 je crois de mémoire donc si tu veux en fait si j'avais continué je serais arrivé euh, dans la nuit en fait donc voilà alors ensuite euh... après voilà donc ça c'est une petite photo que je prends de temps en temps mais honnêtement ça j'aime pas euh, je sais plus comment s'appelle c'est peut-être si on pouvait nommer les, les photos euh, si je pouvais avoir un truc pour noter je ne sais plus ce que c'est comme, euh, comme animal, mais voilà, Honnêtement, je l'ai pris en photo, mais je ne trouve pas ça beau. J'aime pas ça. Ça, c'est pareil. Euh, là, ça, je l'ai pris en photo, mais c'est pas quelque chose que, que je kiffe. Euh, là, déjà le schmec, euh, enfin le le, schmec, le le bec plutôt pas le nez, mais voilà, c'est pas terrible. Les couleurs sont sont très jolies ici. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment quoi. Mais voilà, techniquement, j'aime bien prendre, euh, voilà, j'aime bien prendre une petite photo histoire de, euh, mais c'est pas trop, euh, c'est pas trop mon truc. Là voilà, pareil, voilà, je l'ai pris de ce côté-là, ce qui fait qu'on voit vraiment euh, le petit bleu, vert, euh, cyan, euh, jaune, orange, rouge, etc. Voilà, là, c'est vraiment pour les couleurs. C'était pas tellement pour le côté artistique de la photo. Là, c'était vraiment pour pour avoir ce pan-là. Euh, je voulais pas faire juste un carré euh, avec que ça, donc je voulais vraiment voir euh, la bestiole euh, entière, quoi. Et après celle-là qui était rigolote, mais celle-là je crois que j'ai du foiré, on va Hop, euh, ouais, voilà, mise au point pas terrible, quoi. Ça c'était rigolo, je trouvais un petit punk comme ça, là, les yeux, là, les pattes, et machin. Je, je trouvais la forme assez drôle, quoi. Mais pareil, voilà. Après il y en a beaucoup où je prends en photo. Euh, des oiseaux, des animaux, peu importe, mais voilà, c'est juste histoire d'eux. Mais techniquement, après, enfin, visuellement, après, c'est pas, pas forcément ce qui, ce qui m'attire le plus, quoi. Hop. Pareil, là, ça, c'est, euh, à prendre en photo, c'est pas quelque chose de très beau. Euh, c'est très fade en couleur, là, on est vraiment sur une couleur marron, après, avec des petits traits blancs noir. Euh... Ouais, en plus, c'est un, un, un truc, ça fait un truc au sol avec des pierres à faire en photo, c'est compliqué de faire une réelle bonne photo avec ce type d'animal quoi. Donc là, c'est vraiment une photo pour dire d'avoir fait une photo quoi, euh, parce que ça méritait pas ça quoi. Alors celle-là a été marrante, mais c'est dommage, euh, la mise au point elle est dégueulasse. Euh... Alors là je sais plus normalement oui à cette hauteur là vu comment il est positionné c'est sûr shooter à travers du verre Je suis con en plus on voit le vert ici donc euh, ouais donc là j'ai shooté à travers du verre mais je trouvais ça rigolo au niveau de la pose j'étais là les, les pattes à l'avant qui ont... Oui, c'est un porc-épic ouais Mais euh, c'est pas euh, je kiffe pas moi c'est ce genre de truc ouais c'est euh... c'est pas quelque chose qui aura une expression autant les lions les tigres blancs les léopards etc quand tu les vois brailler non, le micro qui part un coup euh, autant tu les vois brailler, ils ont une tronche et c'est ça qui, qui m'intéresse dans la photo. Mais sinon après ouais, c'est ces animaux qui sont... Euh, qui, qui n'ont pas d'expression en fait. Alors c'est là, voilà, ça j'aimais bien s'il si avait les pattes genre en mode ouais détendu, tranquille. C'est pour ça que j'ai pris la photo. Mais le problème c'est qu'on le voit, là on a les reflets. Là c'est une grosse paroi en vert, là on a un méchant reflet ici, là, qui passe juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Et c'est chiant ça, ça c'est... Euh, pourquoi ils sont pas en liberté devant nous parce qu'on se ferait bouffer. Mais ouais, c'est, il y a des fois, c'est dommage, putain, là, il y a ces, ces petits voiles-là, c'est énervant. Bon, après, on peut toujours aller les faire attraper, mais là, il y a trop, trop de trucs à refaire sur cette photo, quoi. Puis en plus, la mise au point, du coup, à travers la... le verre, euh, bah, déjà, l'image a pris une teinte, et puis en plus, euh, l'image n'est pas terrible, quoi. Mais c'était rigolo. Celle-ci est déjà, techniquement, un peu plus sympa. Euh, alors, celle-ci, allez, hop, fait la mise au point, voilà. Euh, celle-ci, voilà. Pareil, les pattes comme ça, c'est un peu moins beau euh, vu de côté. Mais là, par contre, j'ai shooté à travers justement pareil, j'ai shooté à travers une grille. Alors là, c'était pas du verre ce côté-là, c'était vraiment une grille comme on voit en face. Hein. Donc, c'est des carrés qui sont euh, euh, assez gros, mais pas trop. C'est-à-dire, on passe pas un objectif. Et j'ai pu justement, techniquement, en me rapprochant le plus près possible justement euh, de la grille, en utilisant euh, une grande ouverture. Alors j'ai pas une la plus grande j'étais à 35 mais ça suffit à 200 mm 35 j'ai pu faire une photo et on ne voit absolument pas le grillage qui est pourtant en plein on a une ligne qui est normalement ici qui est en plein devant justement euh, le tigre blanc euh, etc mais on les voit pas on les voit pas parce que justement comme c'est très près de la lentille frontale de, de l'objectif ça part totalement dans le flou c'est d'ailleurs pour ça aussi que si vous avez des poussières à l'avant de votre objectif, ça ne change rien, ça pose pas de problème. Par contre, il ne faut pas avoir de poussière au niveau du foyer. Ça c'est hyper important. C'est le foyer qui compte et pas la lentille frontale. Euh, surtout pour les rayures, pareil, une rayure sur la lentille frontale, ça se voit, ça se verra, verra point dire pas. Euh, ça ne doit même pas se voir, sauf si c'est vraiment une rayure profonde fait avec un, un clou ou un truc vraiment à la barbare. Quoi. Donc voilà. Euh, hop, donc après, ben voilà, ben après je, ben ça, je crois qu'on est revenu au, au deuxième jour, ou je sais plus quel, on va voir. Ouais. Il marque par contre, ton petit singe est super, j'adore cette photo. Euh, alors laquelle photo C'est celle que ah, ça va être celle que j'ai mis sur Facebook. Mais euh, le problème qui se passe, c'est que moi il y a la poutre qu'il a euh, derrière. Moi c'est ça qui m'énerve, mais bon techniquement j'avais pas euh, j'avais pas la possibilité de me déplacer pour euh, pour réussir quoi. Donc voilà. Après ça c'est d'autres photos justement où euh, voilà, il y a des petits, des petits voilà, bon, je vais changer. Par contre, la balance des blancs, parce qu'en fait, le... c'était assez énervant, parce que, avec la lumière qu'il y avait, j'avais du mal à voir vraiment sur mon écran en termes de couleurs. Euh... Plutôt que passer, j'aurais pu passer directement ma... ma photo en noir et blanc. C'est-à-dire, techniquement, vous pouvez le faire. Vous prenez votre appareil photo, vous le positionnez en RAW et vous lui dites qu'il vous sort immédiatement euh, des fichiers, euh... des fichiers en noir et blanc. Alors. Là-dessus, vous récupérez des, des photos en couleur, il n'y a aucun souci. Mais techniquement, sur si l'aperçu, vous aurez une photo en noir et blanc. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir plus rapidement justement les zones surexposées de votre image. Et c'est ce que je voulais faire au départ. Puis à la fin, je me suis dit, non, je ne vais pas me casser la tête, ce que je vais faire, je vais pousser. Euh, donc là, on voit clairement que euh, la balance des blancs est beaucoup, beaucoup trop chaude. Mais je l'ai fait exprès parce que du coup, ça me permet de mieux visualiser justement les zones qui sont surexposées. Donc voilà. Donc, du coup voilà j'ai fait deux trois trucs comme ça. Là c'est intéressant parce qu'on a le regard, il est tourné, on a le regard face à moi là, justement. Donc après il faudrait essayer de, de rendre le truc un peu plus horizontal, un peu plus propre, mais voilà. Là c'est dommage, j'ai coupé les pattes, hein, comme un gland là, parce que cette photo est pas mal. En plus il y avait des petits moustiques un petit peu autour. Voilà. Donc, Ça c'est la deuxième journée. Là, c'est j'arrive juste les muriens. Alors d'habitude, je fais très soin, je fais beaucoup de photos de muriens. Et là, ce coup-ci, je crois que c'est la seule, sur deux jours, je crois que c'est la seule photo de lémuriens que j'ai quoi. Hop. Ouais, ça. Là après on attaque la deuxième journée justement. Euh, alors celle-là j'aime beaucoup par rapport à la couleur justement des... Alors je sais pas si on dit des plumes euh, là pour, pour ces oiseaux là parce que c'est vraiment ultra fin quoi. Ça fait, ça fait même pas vraiment une plume. Ça fait, ça fait bizarre quoi. Ouais, j'aime bien cette photo. Alors il n'était pas totalement de profil. Euh, comme on voit là il avait la tête qui était comme ça et après qui repart là. Mais moi, je, je trouvais ça sympa. En plus, avec le fond, on a un fond vert euh, qui permet de bien décoller, justement, euh, la tête de l'arrière-plan. On a de ce côté-là des petites fleurs. On voit, ça fait quelque chose de, de flouté. Ça fait même limite une petite peinture, on dirait, sur les côtés. Je trouve ça, je trouve ça plutôt sympa. Euh, alors, peut-être éventuellement éclaircir ici. Je ne sais pas. Je, je verrai quand je ferai du post-traitement. Parce que là normalement en principe j'ai pas de réglage. Là il y a absolument même la balance des blancs ou quoi que ce soit j'ai aucune modification sur les photos. Donc à voir. Faudrait peut-être que je m'occupe de ça. Après c'est pareil. Alors ça je les ai pris en photo. Alors ça c'est les. Puis c'est ceux qui ils en parlent un truc c'est Picarababam, Abam, mais est ce qu'on s'appelle. Picarabab, hein Ça avec Aba. C'est un truc comme ça mais ah putain, euh, c'est ceux qui bouffent la merde, justement. Euh, ils mastiquent leur déjection. Euh, Mince. Je, je vais regarder sur Internet. Euh, un merci, comment ça s'appelle Picaraba Non, Picaraba, caraba. Pas là-bas. Merde, ah, j'arrive pas à trouver. Euh, animal. Là. Ah, je ne me rappelle plus. Euh, qui c'est qui, qui arrive à trouver le nom de cet animal-là Qu'est-ce euh, picarab... qu'on s'appelle euh... Comment c'est Il y a un truc. Hein. Le pibac Mach... Ah putain, j'arrive plus à trouver le nom. Euh, je l'ai su le bout de la langue. Le pibacara. Le pabik... Babicara... Le pibacara. Il y a un truc comme ça là. Ah, ça finit avec un pi un... 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 <laughs> Pibacara. Le, pi le picaraba, c'est ça Non, non c'est euh... euh... pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve sur, sur cet animal J'arrive plus le nom à retrouver. Euh... Ah, c'est un truc comme ça. Putain merde, on a commencé. Ça... Punaise. Euh... Pibacara. Pibara. Euh... Je n'ai pas trouvé une photo euh, avec un animal comme ça. Euh, ah, j'arrive pas à trouver le nom. S'il y a quelqu'un qui arrive à, à, à savoir le nom euh, sur euh, sur YouTube, j'arrive pas à me rappeler. Je me... Enfin bon, bref, c'est pas grave, tant pis j'arrive pas à retrouver sur sur YouTube le pibara, pibacara. Ah, ça, ça va me revenir à la fin du live, j'en suis sûr. Enfin bon. Voilà. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est les animaux qui, euh, pff, voilà, à prendre en photo, à part ça, tu vois, les en prendre deux, euh, l'un avec l'autre. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas quelque chose, tu, on ne peut pas forcément arriver à faire quelque chose de super artistique. Euh, je les prends en photo en train de manger, et puis c'est tout, quoi. Alors, celle-là, j'ai, je m'étais dit peut-être que j'arriverais à en faire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, là, il regarde une grille, sachant qu'en fait, son enclos est tout là. Et il, est, il est immense, mais il est devant la grille en train de regarder. Et comme la lumière, là, il est tôt. Euh, alors je sais pas si j'ai l'heure qui doit paraître normalement. Euh, hop, bibliothèque, métadonnées. Euh, Est-ce que mon appareil photo était réglé Alors voilà, il était 9h16 du matin. Euh, donc du coup, on était vraiment pile, euh, on était pile à l'ouverture. Et c'est vraiment les premiers rayons qui arrivaient comme ça sur le côté. Je trouvais ça intéressant. Je me dit, je je sais pas. Peut-être que je pourrais en faire quelque chose, justement. Euh, je m'étais dit, voilà, je, je prends la photo et je verrai. Je ferai, euh, je ferai quelque chose avec, j'essaie je vais, je vais de voir. Euh, peut-être en faisant un ratio, euh, voilà, peut-être un ratio carré, un truc un peu comme ça. Je ne sais pas. On va faire un truc. Je m'étais dit, euh, je ne sais pas, j'ai essayé, de, dans ma tête, j'imaginais, je me disais, je trouvais que la lumière était intéressante, il y avait peut-être quelque chose à essayer à faire de faire je sais pas trop sur le coup là je, je réfléchissais et puis bon j'ai pris la photo je me dis je verrai plus tard euh, hop là on revient par là euh, ouais, donc voilà bon après il y avait ça euh, après j'ai repris encore en photo celle là mon pareil il hein, faudrait euh, ouais, faire une balance des blancs parce que là on part sur une, une couleur un peu, un peu chelou voilà donc voilà euh, après les gorilles voilà donc là c'est euh, c'est là où c'est difficile parce qu'eux, ils ont toujours la, là en plus j'étais sur le côté mais ils ont toujours une gueule euh, où, ils, où ils donnent, un... là il y a tout plein de mouches, euh, ils ont toujours l'air triste ou en colère. Euh, surtout le mâle, le mâle a toujours la gueule comme ça avec euh, avec les lèvres bizarres donc ça donne toujours l'impression qu'ils font soit la gueule soit qu'ils euh, soit qu sont tristes quoi. Donc voilà. Donc là, c'est, euh, ça peut être des expressions. C'est intéressant en fait quand, quand, ils se mettent à, à brailler un peu, quand ils à, à, quand le dominant commence à s'exciter, là, on peut arriver à faire des photos intéressantes. Mais sinon, le reste du temps, vous voyez, c'est, euh, visuellement, voilà, c'est, euh, c'est il y a rien, il y a, il y a, il y a rien qui sort. Capybara, voilà. a trouvé le nom, c'est Capybara. Je n'étais pas loin. Il y avait des cas, il y avait des bara, il y avait des a. Voilà, c'est Capybara, le, le, le truc de tout à l'heure justement, euh, ça. Voilà, c'est celui qui bouffe sa merde et qui a un... Etc. Quoi. Bon, super pour l'anecdote. <laughs> Mais bon, voilà. non c'est euh, Donc ça, c'est le truc à prendre en photo. C'est... Voilà, on prend en photo. Il n'y a pas de... C'est pas artistique. Le poil n'est pas très beau. Euh, pff, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, c'est pareil. Ça, ça fait partie des photos. Euh, je les prends, histoire de quoi. Tu voilà. Donc là, on va attaquer justement... Ça, c'est exactement euh, la même... Enfin, la même photo. C'est le lendemain. Euh, c'est le lendemain de j'ai pris cette photo elle est où celle où il est dans l'air blot euh, euh, elle, elle est où elle est où c'est plus haut c'est au, au début voilà s'il y en avait une où justement là il était tout seul donc ça c'était le premier jour et donc là du coup je me suis dit je prends la photo ça fait un premier plan il est un peu caché mais il est quand même visible voilà et en fait euh, donc le deuxième jour je suis revenu et là il était justement avec un mioche. Donc là, il était avec le petit. Alors là, il tournait. C'était chiant parce qu'il n'avait jamais le regard dans ma direction. Quoi. Donc du coup, j'ai essayé de faire quelques petites photos. Euh, là, j'en ai une, j'ai celle-là. Mais au lieu d'avoir la tête, le, le regard tourné vers là, ben, les deux, ils sont tournés de l'autre côté. Bon, je prends quand même, c'est pas grave. Hein. C'est pas, pas trop un souci. Mais là, j'ai pu avoir justement le petit, justement, et euh, le petit et la mère, quoi après donc c'est là bon, voilà lui il avait le regard comme ça l'autre avait le regard dans ce sens là donc là c'est chiant là c'est du coup c'est de l'attente et là par contre là où je suis un peu déçu c'est celle-là mais là les deux ont le regard qui sont sur le côté et eh bien Charles, il y a du mal donc là il a le regard sur le côté je suis là il a le regard sur le côté mais on voit pas c'est l'œil et eh en plus je suis cadré beaucoup trop haut. je suis beaucoup trop haut et je devrais être je devrais être beaucoup plus bas en termes de cadrage je devrais être à peu près ici quoi et non pas sur cette ligne là quoi donc là un peu dommage alors celle-là je trouvais ça rigolo en fait je l'ai pris en photo euh, parce qu'en fait sous cet angle-là quand on le voyait euh, depuis parce qu'en fait euh, eux, ils sont sur une d'île, donc il y a un peu d'eau qui passe entre nous et moi j'étais de l'autre côté et en fait on, a, on aurait dit euh, un pirate on avait l'impression justement là bon là on voit l'œil quand on zoome etc mais sinon on avait vraiment l'impression que c'était c'était sombre ça faisait genre euh, le masque de pirate etc donc c'est pour ça que euh, je l'ai pris en photo je trouvais ça rigolo c'était euh, c'est le singe pirate hein, voilà c'était pour la petite anecdote Bon après, ce pas des photos qui cassent, euh, qui cassent des briques, mais voilà. Après, alors celle-là, euh, celle j'aime bien parce que j'ai un bon piqué dessus. Si je veux bien faire le truc, j'ai un, un bon piqué sur, sur la totalité de la photo. Et en plus, lui, il ouvre sa bouche, genre je suis en train de me marrer, j'ai trouvé ça. Ouais, je ne sais pas pourquoi, il n'arrêtait pas d'ouvrir la bouche comme ça, mais il n'était pas en train de manger en plus, mais il arrêtait pas d'ouvrir la bouche, je trouvais ça rigolo, genre euh, il était en train de sourire, il était en train de rigoler. Donc du coup, euh, voilà, j'ai euh, trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça intéressant. Bon après ça, passe, ça casse pas des, des, des briques, mais moi ce que je trouve intéressant par contre, c'est ça, c'est la peau, les, les, les bourrelets là, les... c'est super bizarre à voir quoi. Enfin, après, bon, après j'ai pris une photo vraiment juste avec un petit profil comme ça. Euh... Alors là, il est resté assez longtemps comme ça. Alors je me, normalement, je crois que je dois en avoir plusieurs. Voilà, j'ai fait différents essais. Là, il avait la bouche ouverte, il avait la gueule un peu plus vers nous, quoi. Euh, après, on va voir, il y en avait quoi. Il... Voilà, il y en a une autre qui... où il est comme ça. J'avais fait plusieurs essais justement pour arriver à trouver quelque chose. Euh, voilà, je voulais, je voulais juste un, un bout de tête. Je voulais pas prendre le reste du corps. Je voulais vraiment juste que ce soit un peu comme si c'était un portrait humain. Donc c'est à dire vraiment que ce soit le, le haut du thorax, vraiment vite fait. Donc c'est à dire vraiment juste ici. Je voulais pas, je voulais pas que ce, ça prenne plus. Je voulais pas qu'on voit, qu'on puisse voir les pattes, etc. Quoi. Hop, voilà. Bon, après, c'est pareil. Voilà, oh, ceux-là, c'est, à part juste les prendre en photo, il n'y avait rien de... de super intéressant. Voilà. Ça, pareil, c'est pas... pas un animal qui a, qui a d'expression au niveau du visage. C'est voilà, un animal à prendre dans son ensemble, ce genre de choses, quoi. Ça casse pas. Ça vole pas haut, quoi. Bon, après, il y avait ceux-là où, là, j'essayais de me positionner sur le côté. Là, il me regardait, Et là, si on regarde bien, si vous regardez. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube. Mais euh, il y avait beaucoup de lumière euh, et avec le piqué justement, on arrive à bien voir justement euh, le reflet. Donc là, on arrive à voir le bleu du ciel et on arrive à voir le euh, les barrières. Là, on voit les barrières. On arrive à, à voir quoi. J'ai trouvé ça assez sympa quoi. Enfin, moi, je le vois bien sur mon écran. Après, sur YouTube, je sais pas ce que ça va donner quoi. Donc voilà, je trouvais ça, euh, je trouvais ça sympa quoi donc après alors lui je l'ai pris en photo parce que lui il devait avoir mal aux roupettes <laughs> il est... alors je sais pas j'ai pas vu sur les affiches ou quoi mais il était entièrement rouge ici euh, j'ai trouvé ça alors je voulais pas faire une photo de là parce que sinon ça faisait une photo des roupettes machin si elle a quoi mais euh... Voilà, c'était bizarre de voir hein, que c'était tout rouge. Alors, est-ce que c'était une irritation ou est-ce que c'est sa couleur naturelle là-dessus Je ne sais pas. J'ai pas, pas eu d'infos. C'est je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas croisé de, de personne quand on était dans l'enclos pour, pour nous indiquer. Quoi. Alors après, c'est le pandarou, ce que j'adore. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai bien aimé, parce qu'en plus là, j'ai un bon piquet. J'ai des bonnes couleurs. J'ai quelque chose d'assez sympa. Alors là... Euh, j'ai fait aucune photo de lui vraiment tout seul. Là, à chaque fois, je le prends en train de manger un peu camouflé, un truc comme ça. Je trouve ça rigolo. Parce qu'en plus, on a un, un arrière-plan qui est tout vert. On a un premier plan qui est parfaitement, enfin, parfaitement net. Qui est vraiment, euh, qu'on peut vraiment bien distinguer ce que c'est. Donc, on voit, distingue bien le bambou, etc. Et lui qui est juste ici. Je trouvais ça assez sympa, assez rigolo, quoi. D'ailleurs, je dois en avoir plusieurs. En plus, on, hop, sur la précédente, on peut même voir justement son petit bout de langue qui est en train de sortir. Donc, je trouvais ça assez rigolo, quoi. Après, sur cela, j'en ai pris plusieurs, je crois, dans le lot, comme ça, à la suite. Après, l'autre était positionné comme ça, mais là, c'est pareil. Moi, ce qui me gêne, alors, autant la corde ici, c'est pas trop grave, mais là, le problème, c'est que la corde, euh, elle passe au niveau du corps, et ça, c'est pas beau. Euh, c'est pas qu'il était attaché, mais, euh, voilà, le fait qu'il ait quelque chose qui, qui rentre en contact avec lui, je trouve que, euh, visuellement, ça gâche beaucoup. En plus, euh, c'est vachement haut en lumière, il y avait une... c'était hyper éclairé, et on voit, on a même pas détail, on est dans du blanc total. Donc Du coup, c'est pas c'est pas terrible quoi. Hop, voilà, ça, c'est pareil. Il y a la corde qui lui arrive dans le dos, c'est pas très beau. Pourtant, c'est dommage que voilà le, le truc est intéressant tel qu'il était positionné, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà. Donc là, j'en ai pris plusieurs comme ça. On va pas toutes se les faire non plus. Je crois c'était la dernière. Bon, après, voilà. Il y a eu le panda alors. Le bébé panda, j'ai pas du tout fait de photo avec mon réflexe. Parce que pour ceux qui connaissent Boval, il y a une salle en verre. Il était vraiment à un moment il y a un bout de verre. En fait, hop, j'ai repasser en plein écran. En fait, il y a donc la salle euh, et euh, la salle fait comme ça. Et ici, il y a un pylône. Et là, il y a un tout petit bout euh, de vitre où on peut essayer de le regarder. Il était vraiment dans le coin comme ça. Et moi, avec l'appareil avec photo, c'était pas possible de faire une photo. Et honnêtement, pour faire une photo, pour dire de faire une photo qui allait être vraiment dégueulasse j'ai préféré m'abstenir mais j'ai pu le voir quoi donc euh, bon euh, il est né en août je crois non un... non euh, je sais plus enfin ça fait plus de huit mois qu'il est né un truc comme ça oui c'est ça, ça doit... oui ça doit être tout, tout. donc c'est ça, ça ça fait faire huit mois à peu près euh, donc du coup en fait ben il est plus vraiment bébé quoi parce qu'au début euh, tu vois euh, plusieurs photos où tu le vois vraiment quand vraiment il est né au bout d'un mois etc mais en fait ça ça devient vite ça ressemble vite à un, un gros truc comme ça quoi bon il reste petit quand mais euh, voilà c'est moins euh, c'est moins intéressant je pense qu'il faut vraiment aller le voir euh, bon là c'est trop tard maintenant il n'y en aura pas d'autres je pense avant longtemps mais euh, voilà il faut vraiment les voir quand quand ça vient juste de naître quand c'est vraiment que ça commence tout juste à être visible au public il faut vraiment y aller là où on va voir vraiment une différence avec les grands pandas quoi alors petite anecdote j'ai trouvé ça super intéressant voilà ça c'est des informations qui peuvent être intéressantes par exemple ben, le panda n'a que trois jours de reproduction dans l'année tout le reste du temps ben, il se la met derrière l'oreille quoi donc c'est euh, <laughs> j'ai trouvé j'ai trouvé ça quand même assez assez surprenant quoi il n'y a que trois jours par an euh, il y a que trois jours pour se reproduire quoi euh, donc c'est c'est un truc de dingue c'est ça ça moi sur le coup ça m'a choqué je me dis bah ben, c'est aussi pour ça que bah euh, ben, que la vie fait que euh, les pandas c'est fini quoi on arrive sur on arrive en, en enfin' c'est en voie d'extinction quoi donc euh, voilà, c'est la nature qui fait que là, c'est pas forcément que l'homme. Là, quand t'as que trois jours pour pouvoir te reproduire et avoir un petit, surtout qu'en plus à chaque fois, euh, ils peuvent avoir qu'un seul petit apparemment, d'après ce que j'ai, euh, d'après ce que j'ai vu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc t'as trois jours par an pour aller, il va faire un gosse et en plus tu peux en avoir qu'un. C'est même pas un lot de cinq ou six de comme des chats ou quoi. Non, là t'en as qu'un. Donc si sur les trois jours t'as loupé, <laughs> faut que t'attends l'année prochaine quoi. Donc euh, voilà. J'ai trouvé ça, euh, ouais, ça c'est assez surprenant quoi, comme truc quoi. Allez hop, on va tourner sur les photos vite fait. Hop. Alors après un autre photo de panda, voilà. Donc là, il y a celle-là. Là, là c'est un petit peu ce que j'ai expliqué. C'est qu'au niveau des yeux, pour arriver à avoir quelque chose de correct, on peut pas. C'est-à-dire si vous positionnez un mode du développement, que vous avez essayé d'éclaircir, c'est à -dire de récupérer au niveau des ombres. À la fin, vous allez vos, au niveau des yeux, ça va plus être noir, ça va devenir gris quoi. Euh, donc si on voit pas les yeux, mais qu'on voit à peine le truc, c'est normal et votre photo sera considérée comme bonne. On peut pas récupérer euh, au niveau des pandas, c'est très très difficile quoi. Parce que comme j'ai dit, sinon on va on va avoir une couleur qui va tirer vers du gris euh, au lieu d'avoir quelque chose de de noir. Donc, vous voyez la différence là avec les modifications que j'ai faites. Donc ouais, là j'ai monté les ombres à plus 55, sachant que je suis correctement exposé. Mais euh, voilà, ici c'est euh, si je monte un peu après, automatiquement, on part sur une couleur, par euh, part sur du gris, quoi. Donc voilà. Là, par contre, j'aime bien les couleurs, justement. On a un... les poils ont vraiment une belle couleur, etc. On a un beau vert, bleu derrière. J'aime beaucoup cette photo, quoi. Même si, honnêtement, il euh, y a beaucoup de vide au-dessus, euh, ce qui est pas forcément une bonne chose. C'est une photo qui euh, devrait. Ouais, c'est une photo normalement qui doit être dans un format carré celle-ci. Ce qui fait que ça va couper à peu près, grosso modo, par là. Mais voilà, je trouve que les couleurs qui sont au-dessus euh, sont assez belles. Quoi. Hop, encore, c'est à peu près la même avec un cadrage en ai, hein, légèrement bougé. Ça, c'est pareil. Ça, c'est euh... une photo pour dire d'avoir fait une photo. C'est vraiment. Euh... Il n'y a, euh... a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Euh, pareil pour les autres. Euh... Alors si, alors là c'est super intéressant parce que là j'avais certains l'ont peut-être vu, j'ai fait une vidéo euh, sur YouTube, euh, pas sur YouTube, sur Facebook. C'est un Facebook live et je suis super bien tombé. Euh, lui, il, parce qu'en fait là il y avait, là je peux pas le montrer, mais là il y avait un peu d'eau, il s'est mis dedans et d'un coup il a faim, bon, il saute par dessus, euh, il saute par dessus Muret qui est juste de l'autre côté, il se met à faire des roulades. Donc, ceux qui veulent aller voir, vous allez voir sur ma, sur ma page Facebook, euh, vous allez voir dans les, dans les lives que j'ai fait aux autres bouvals. Et il, et il devient dingue, il joue comme un chat. Et c'était vraiment trop, trop, trop drôle, quoi. Donc là, pareil, voilà, là, il n'y a pas de post-traitement. Donc là, il faudrait, euh, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup trop de lumière. Euh, hop. Si je fais un truc, normalement, lui, il devrait relativement bien corriger. Pareil, le problème qui se passe, c'est que là, on sent qu'il y a un genre de voile bizarre ici, sur cette surface-là. Parce que là, on shoot à travers du verre. J'aurais préféré être en hauteur et avoir une vue plongeante que me taper du verre. Mais bon, on a, quand même, on a quand même une image qui a un piqué qui est à peu près correct. On voit, on distingue quand même bien l'animal, etc. Voilà. Non, là, j'étais un peu trop près, justement, sur le coup. Hop, voilà, tac. Voilà, comme ça, voilà. là, on récupère un petit peu les, les vraies couleurs et tout. Je trouve ça assez sympa. Alors, hop. Alors les éléphants. Alors les éléphants, je suis pas spécialement fan, j'en prends de temps en temps. Mais voilà. Après, il y avait... Alors ça, c'est les... Euh, alors eux, ils étaient à la place justement des suricates, parce que normalement les suricates sont juste à côté des éléphants. Et ça, c'est les... Euh... Mangoustes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais c'est ça, c'est les mangoustes. Donc là, c'est pareil, là j'étais un peu... Le problème c'est que en plus ça c'est un peu con parce que la, la... C'est dans un enclos vitré. Et en fait, la vitre, elle fait, je crois, un mètre... Bah moi je fais 1m75, elle doit, elle doit être à 1m80 de haut. Donc en fait pour, fait, pour faire cette photo, <laughs> j'avais l'appareil photo en l'air comme ça. Non, pas non, pas 75, j'ai une connerie. Ouais, c'est oh, oh, dans ces eaux-là. En fait, j'avais l'appareil photo en l'air poser justement, enfin je prenais appui sur le sur le verre comme ça et euh, je l'ai pris comme ça vraiment à main levée sans vraiment regarder quoi donc le piqué euh, bon, voilà quoi c'est euh, la, la photo j'ai quand même réussi à faire à peu près la mise au point dans ce, dans ce secteur là pas pile sur l'œil ce qui fait qu'il n'est pas parfaitement net mais si on triche un peu et qu'on rajoute un peu de clarté ça va peut-être appuyer au niveau des lignes ça va rendre le truc un peu plus un, un peu plus sympa quoi mais bon voilà Hop après, bah ça c'est Raton ah, ça c'est Zoro. Ah, bah, c'est la fini équipe. Mais c'est les dernières photos que j'ai fait euh, là-bas quoi. Là, c'est pareil, ça c'est les photos là. On est clairement surexposé là, sur ces parties -là. là. On est hop, voilà, toc. Là c'était rigolo, là ils jouaient, ils sortaient du truc. Bon, pareil, là c'était vraiment pour se faire plaisir histoire de faire des photos quoi. Hop, voilà. Et normalement il n'y a plus de photos. Normalement on a fini toutes les photos quoi. Donc en gros sur le zoo de Boval, on doit avoir 200. Sur les deux jours, il y a 200 photos, sachant que là bien sûr dans l'eau, il y en a plein que je vais virer. Ouais, il y en a pas mal que je vais virer. Mais c'est dommage qu'en fait les photos que je trouvais les plus intéressantes, les plus drôles, c'est celles qui ont foiré en fait. Là il y a celle-là où justement, moi j'aime beaucoup celle-là. J'adore. Hein. Le singe est tranquille, allongé sur le ventre. L'autre est en train de lui mettre les doigts dans le, dans le four hein, pour lui chercher les puces. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas net. Parce que là, on shoot à travers une vitre. Alors, pour aller sur Facebook, honnêtement, ça passe sans problème. Parce que voilà, ça va pas. Ça va. Moi, sur Facebook, ça n'a pas choqué. Parce qu'automatiquement, ça va être compressé et tout. Donc, ça va passer. Mais c'est dommage. Donc, il y a celle-là. Moi, de toutes les photos, celle que j'aime bien, il y a celle-là. Euh, il y a. Après, qu'est-ce qu'il qu va y avoir Il y a celle-là que j'aimais bien. Même si elle n'est pas... pas parfaite. Euh, faut que je remodifie le truc parce que là j'ai touché au truc quoi. Euh, mais hop, reviens ici toi. Euh, hop. mais ça c'est ce que j'ai présenté, j'ai touché les trucs tout à l'heure, carré, machin. Voilà. Tac. Voilà. Euh, donc voilà, j'ai aimé bien cette photo, euh, mais c'est dommage il a regardé à gauche et de regarder à droite. En plus là, ça faisait des bons, un bon arrière-plan, un peu, un peu, un peu sympa justement. Donc ça c'est une photo que, que j'aime bien. autre euh, photo. Après celle-là est pas très belle, mais je la trouve intéressante parce que je trouve ça bizarre justement de voir les, les poils qui se barrent justement. Voilà. C'est pas esthétique, mais euh, voilà, c'est l'information et je trouvais ça intéressant. Moi, j'avais jamais vu euh, ce genre de choses et je trouvais ça plutôt cool. Euh, après, le, le loup qui se cache, pas casse pas des briques, mais euh, intéressante la situation. Euh, après, voilà, il y avait, euh, il ce truc là. Comme j'ai dit, voilà, avec un bon Photoshop, on peut faire disparaître ici euh, cette branche-là, parce que là techniquement, on a un super flou d'arrière-plan. On a un fond qui est parfaitement uni, qui permet de super bien décoller euh, euh, le piaf justement euh, de l'arrière-plan. Donc après, il y en a plusieurs, mais voilà. L'autre était plutôt était, était plutôt sympa. Euh, bon, cela, on oublie. Voilà, il y a quelques-unes qui peuvent être intéressantes après avoir, il y en a certaines, ça méritait du post-traitement. Mais voilà, celle que j'aime surtout, c'est celle-là. Euh, celle-là ou celle-là, même. Euh, celle-là, Celle-là j'aime beaucoup parce que là, il y a vraiment. Hop là, reviens par là, toi. Ah, merde, il ne met plus les trucs. Voilà. Hop, rien. Celle-là, il y a vraiment zéro post-traitement. Donc, il n'y a ni euh, balance des blancs, ni exposition, etc. ou quoi que ce soit là. Et euh, on a une photo qui est vraiment. Euh, que je trouve vraiment nickel. Si je mettais un truc vite fait à l'arrache auto, je ne sais même pas ce que ça me ferait, mais... Voilà. Là, ça remonterait l'exposition, mais après je trouve qu'il y aurait trop de lumière. Je la trouve très... Merde. Pu... hop. Euh, moi je la trouve très bien euh, avec l'ancien le... avec truc, justement. Donc voilà. voilà. si, voilà, ça est mieux parce que là on a le regard vers soi, même si on... là on a la pupille qui est juste un peu trop au bord. Voilà. Hop. on va se remettre sur le plein truc. Hop. Voilà, donc là le but, c'était surtout, c'était pas tellement de montrer euh, des bonnes photos. Là, le but, c'était un petit peu d'expliquer euh, un peu, ben voilà, comment ça s'est passé euh, mes deux jours, enfin mes deux jours, mais <laughs> un jour et demi, on va dire, aux eaux de Beauval. Donc les, euh, pour ceux qui ont loupé le début, ben ça fait 2h10, 2h10 de live. Donc vous pourrez revoir justement ben, les, les petites explications que j'ai données sur certaines photos, euh, pourquoi j'ai pris cette photo -là comme ça, qu'est-ce qui m'a bloqué. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir, ou si elle a, quoi. L autre photo que je trouve rigolote. Mais là, c'est, comme je dis, c'est vraiment uniquement pour les chicots, quoi, qui dépassent. C'est, une photo qui m'a fait marrer, quoi. Voilà. Hop là. Donc voilà. C'était juste pour, pour présenter un petit peu, voilà, ce que, ce que j'ai pu euh, essayer de faire. Ah, si vous voyez ce que je disais, voilà, ouais, une autre photo que j'aime bien. Parce que je, ne les ai pas encore de mémoire. Euh, elles, elles sont il euh, bon, y a celle-là, avec le panda roux. Euh, voilà. Et c'est après, c'est dans celle-là. Il y en a une qui pouvait être pas mal. C'est dommage. Là, il regarde sur la gauche, de la droite. Mais bon, au pire, après, on peut. Euh... Et bien, attends, hop. Euh, au pire, voilà, on fait. Euh... On recoupe en faisant un truc un peu dans ce genre-là. Ah, il y a la connexion qui décroche, on me dit. Alors, je vais peut-être baisser. Hop. Voilà, j'ai baissé un peu le, le, le débit. Voilà, après, voilà. Au pire, vous voyez comme quoi. Je passe de... Merde, rien à toi. Donc en termes de cadrage, je passe de... Voilà, on va virer les deux tables. Voilà. Donc on passe d'un cadrage qui est large comme ça pour, pour, pour finir comme ça. Et ça, c'est une photo qui passe. Voilà, c'est juste un, un recadrage. Donc c'est pour ça que... Il faut faire attention quand vous faites de la photographie à manières ou ce genre de choses. Vous pouvez toujours essayer de récupérer en faisant euh, des cadrages un petit peu plus larges. Comme ça, vous pourrez euh, retailler euh, un post-traitement. Donc voilà. Bon, euh, moi sur ce, ben, je vais vous laisser. Parce que là, ça fait 2h12 que je parle. Et je n'ai même pas entamé mon verre d'eau. J'ai réussi à tenir ça. Donc voilà, c'était une petite sortie. Euh, parce que ça fait des mois que j'ai pas eu le temps de faire des photos. Euh, ça fait des mois que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir me faire plaisir d'aller sortir. Parce que là, entre, entre tous les trucs que je fais, etc., du coup, j'avais vraiment pas une minute pour moi. Euh, ce qui était assez frustrant. Donc là, c'était un petit truc, c'était court. C'était voilà, juste deux jours. Mais euh, c'est toujours sympa, quoi. Hop, là, je vois a... c'est ça. Alors, les grillages dans les parcs animés, c'est sûr, c'est pas terrible. Ah oui, il nous a mis une photo, justement, sur le logo sur groupe Facebook. Ok, ok. Bon, ben moi sur ce, euh, je vais vous laisser. Euh, pour ceux qui viennent d'arriver, euh, je mets à disposition plusieurs liens. Maintenant, je vais me remettre en plein écran, parce que là, on s'en fout maintenant du singe. Euh, donc là, normalement, euh, juste ici, voilà. Donc là, euh, on va remettre le droit, voilà, comme ça. Donc juste ici, voilà, vous avez un petit lien. Alors, euh, vous avez le nom si vous voulez le taper directement. Sinon, dans la description de la vidéo, vous retrouverez ce lien. Donc, c'est cette vidéo, justement, euh, de conseils, euh, d'analyse euh, d'images, etc peuvent vous aider justement sur sur la photo. Euh, après, sinon, il y a cette vidéo-là. Si vraiment euh, vous hésitez entre toutes les euh, entre tout ce que je propose, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo-là où c'est les sept étapes du cadrage. Donc là, en fait, on va parler euh, de tout ce que vous devez faire avant d'appuyer sur un bouton de votre appareil photo. Et vous allez voir que euh, c'est cette partie-là qui va être la plus importante. D'ailleurs, je l'explique clairement la différence entre quelqu'un qui sait euh, parfaitement cadré et composé et euh, une personne qui elle maîtrise parfaitement son appareil photo mais qui ne sait ni cadrer ni composer j'explique vraiment tout ça dans euh, euh, dans, une, dans une série de conférences que ça je la je la mets en, en permanence c'est à dire tous les jours pour ceux qui viennent en principe c'est souvent vers 20h. Euh, après ça dépend il y a des fois je peux en faire euh, un dernier moment dans la journée mais voilà c'est vraiment euh, s'il y avait quelque chose que vous devez euh, une chose à suivre dès le départ, c'est vraiment ça, c'est les sept étapes du cadrage. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a une logique qui va vous permettre de vraiment de progresser au niveau de vos photos. Euh, Ceux comme Eric, euh, alors il y a, enfin il y, y a deux Eric, là, le premier qui, a, qui était en début de, de là comment s'appelle, euh, du live qui là je pense a dû partir, mais sinon les deux Eric, ils eux font partie des masterclass. Ils peuvent vous le dire, ils ont suivi la vidéo et c'est vraiment ces sept étapes. Euh, c'est là vraiment de la logique pure que vous devez mettre en place parce que très souvent justement euh, certaines personnes ont tendance à cadrer beaucoup trop large alors je parle pas de chou, euh, de cadrer trop large et ensuite retravailler en post traitement c'est que après le post traitement leurs photos restent euh, avec un cadrage beaucoup trop large justement donc voilà donc vraiment je vous invite à aller voir ça après dans la description euh, de la vidéo vous avez aussi euh, comment s'appelle euh, je vais repasser mon truc en plein écran, ça va être plus simple. Euh, donc en dessous, euh, vous avez aussi justement euh, si vous souhaitez avoir le fichier pour calculer la distance hyper justement, je vous la mets à, do à disposition. Donc c'est un petit fichier Excel que j'ai mis, euh, que j'ai conçu moi-même, et euh, ça va vous permettre, en rentrant votre longueur focale euh, et votre ouverture, de savoir quelle est euh, la profondeur de champ que vous allez obtenir. C'est-à-dire de l'infini jusqu'à 2 mètres euh, devant vous, de l'infini jusqu'à 6 mètres devant vous, etc. Et en fonction des réglages que vous allez rentrer dans, la, euh, dans, dans le fichier, vous allez connaître justement euh, cette zone de netteté. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est un fichier qui va être très très utile si vous faites de la photographie de paysage. C'est indispensable de connaître ces notions euh, afin de les mettre en place. Donc voilà. Après aussi, alors j'ai remis pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, parce que pour, il faut savoir que depuis peu là on a, on a franchi la barre des 1000 abonnés. Alors je remis à disposition pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et j'avais lancé un quiz il y a quelques mois. Euh, D'ailleurs vous avez été hyper nombreux, je crois que c'était plus de 800 personnes euh, à l'avoir fait. Et personne, même encore aujourd'hui, personne n'a réussi à faire le score parfait. Alors il faut savoir qu'à la base, euh, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un quiz compliqué. Euh, c'est un quiz qui normalement est parfaitement accessible. Je euh, j'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué. Donc dites-vous que ce quiz-là n'est pas compliqué à la base, mais personne n'a obtenu de score parfait. Donc s'il y a 20 questions et euh, le quiz est sur et euh, sur 21 points. Et euh, la meilleure note, je crois que c'était aux alentours de 19. Il faudrait que je revérifie ce que ça fait un moment. Euh, et, mais personne n'a réussi à obtenir le score parfait. J'ai trouvé ça assez surprenant parce que pourtant c'est euh, c'est quand même la base. J'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué justement sur cette version-là. Alors, je voulais lancer un deuxième quiz sur la photographie de paysage. Euh... J'ai, je l'ai déjà fait le quiz. Il est déjà, euh... il est déjà en place. Je pourrais le lancer, mais je me dis euh, c'est trop des questions basiques. Je pourrais le mettre à disposition, mais voilà, ça reste bateau. Je voudrais intégrer. Euh, plus de questions parce que je crois que je l'ai fait en 10 questions celui sur le sur le paysage donc je verrai peut-être au cours la semaine prochaine ou quelque chose comme ça si vraiment je le lance ou pas quoi donc voilà de toute façon vous avez tous les liens qui sont euh, dans la description euh, de la vidéo et puis bon moi sur ce ben, je vais vous laisser euh, je vous remercie euh, enfin en tout cas je merci je vais arriver à parler euh, je remercie tous ceux qui, euh, qui auront suivi euh, le, le live en entier ou même si vous êtes euh, arrivé en cours de route donc euh, voilà Merci beaucoup. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.